Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau WFC, le quiz, le troisième gros quiz du Winamax FC. On en a fait deux pendant la Coupe du Monde, c'était des quiz spéciales Coupe du Monde. On va reprendre, commencer même des quiz hors Coupe du Monde, voilà, sur toute l'actualité du mois et même un peu plus. Voilà, je me suis nourri de l'actu du mois pour aller chercher un maximum de quiz, pour embêter un maximum mes amis. Vous avez l'habitude, les mêmes jeux, voilà, comme à chaque quiz. Il y aura le jazz mineur, il y aura les joueurs, enfin pas forcément que des joueurs à deviner, il y aura les duels, il y aura tout ce qu'il faut, il y aura les gourdes, il y aura de l'arnaque, il y aura de la triche, bref, un vrai quiz du WFC, les amis. On va essayer à chaque quiz, vous en avez l'habitude, le dernier quiz on était avec Braque et Canto, on essaye d'avoir un invité à chaque émission. Et pour ce quiz, un seul invité, mais c'est un très bel invité. Vous le connaissez forcément sur YouTube avec toutes ses vidéos, il intervient sur tout. Dès qu'il y a un truc sur le digital, de toute façon, il est là pour parler football. Je vous demande d'accueillir, mais de toute façon, vous n'êtes pas là, mais vous allez quand même l'accueillir, notre ami Wiloo. Wiloo Football, entre mon ami. Ça, c'est uniquement du décor. Ouais. Voilà, t'as déjà un micro. Comment ça va? La forme? Ouais, un grand plaisir. Écoute, moi je suis. Viens là. Toi t'es dans le cadre, voilà. Ouais. Je suis encore Wiloo, les amis. Un outsider, mais bientôt insider. Je peux dire que c'est une fierté d'être sur la plus belle émission de foot en France. N'exagère pas, non plus. C'est pas pour ça que tu auras des points en plus, mais très content de te retrouver évidemment. Vous le trouvez sur YouTube au travers de toutes ces vidéos. Tu as le chat là-bas, mon ami. Il y a MY Magic qui nous dit… Enfin, alors là, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas ses lunettes. Hein, il est allé chercher ses lunettes parce qu'il y a des jeux sur l'écran, donc il va falloir qu'il il a pris les binocles. Mais welcome Wiloo, nous dit ABC NDI, faites péter les likes. Voilà les amis, hein. Wiloo est avec nous. Comment tu te sens? Écoute… Pour les quiz, tu es plutôt doué au quiz foot? Je vais dire… On a l'impression que tu connais tout à travers tes vidéos. Alors… Certainement pas. Je pense que face à la moyenne des gens, ça va, mais on n'est pas en présence de la moyenne des gens. Là. Après, il y a Sofiane quand même. Il y a quand même Sofiane qui fait vachement baisser la moyenne. Ouais, je ne suis pas particulièrement en confiance, on va dire. Bon, ça va. Ben, on va essayer de te mettre en confiance. Il y a Liona qui nous dit Wiloo le GOAT. Wartok également qui nous dit Wiloo le GOAT. Grande Wiloo. Disons, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour pour… J'ai jamais reçu autant d'amour en 50 WFC. Tu me flattes. Capitaine? Ouais, bien sûr. Capitaine de ce quiz? Pas trop la pression? Absolument pas. Team rouge ou team bleu? Bleu, bien sûr. Team bleu. Vas-y, je me fais le plaisir de te mettre ce brassard de capitaine. Tu as déjà une idée un peu des joueurs que tu as envie de sélectionner? J'ai une petite idée. Ouais. Bon. Droite ou gauche? Droite ou gauche? Ici. À gauche. Je te récupère le micro. Ouais, tiens. Et bonne chance à toi, mon ami Wiloo. Donc Wiloo qui sera capitaine de la première équipe. Je te laisse te mettre au milieu. Okay. Les capitaines sont au milieu. Deuxième capitaine, c'est moi qui ai choisi. Le choix est assez évident parce qu'il y a eu deux quiz et il y a un seul homme qui a remporté ces deux quiz. Enfin, il a gagné le premier, le deuxième, il l'a eu. De manière plus ou moins honnête, mais il l'a eu. Peu importe la manière. Moi, je suis l'école marseillaise, donc peu importe la manière, pourvu qu'on gagne. Et comme on gagne plus souvent, mais bon, c'est pas grave. Les amis, le deuxième capitaine de ce quiz qui sera opposé à Wiloo, monsieur Tidiani M'Bo. Ouais, Tidiani, j'en ai gagné un. Ouais, mais Tidiani, il a la chemise à fleurs. Ouais. Allez, tu dégages. Merci. Tidiani, mon ami, il a sorti la chemise du champion, là. Pas de squat, pas d'entrée en course. Pas de pompe, pas de traction. Pas de pompe, tiens, je te laisse… Pas de pompe, pas de traction. Salut à tous. Wiloo, enchanté. Le champion, là. De te recevoir. Là, Walid voulait mettre la musique de John Cena. C'est vrai que tu aurais pu la prendre, le champ ici. Ouais, mais après, je vais être tout à fait honnête, Thomas. Je comprends le procès en illégitimité qu'on peut faire sur ces deux premiers quiz. Maintenant, sur le deuxième. Oui, non, mais sur les deux premiers, parce que tu vois, on remet facilement les choses en question ici. Ça manque d'honnêteté, ça manque d'intégrité morale, je trouve. C'est le principe du WFC. C'est le principe du WFC. Oui, évidemment, Personne ne découvre rien aujourd'hui. Donc je vais prendre un grand plaisir à assumer ce rôle de capitaine, un peu nouveau pour moi. Évidemment. Mais écoute, on va voir si ça permet d'aller toujours plus haut. Hein, toujours plus haut. Très bien. Voilà. Capitaine de la tribu rouge? Les Kanaks. Les Massaouis. Les Massaouis. Les Massaouis. Okay. Les Massaouis. Je te laisse mettre ce bras. T'as la pression ou tu viens sans pression? Écoute… T'as envie de faire le… Comment on dit? Le three-peat? J'ai envie de faire un 3 à la suite. Ouais, on va dire 3 à la suite. On va faire du mieux possible parce qu'aujourd'hui, une troisième victoire m'assurait d'être encore en tête de la race. Donc voilà, on va essayer d'être tout simplement à notre niveau. T'as révisé? Ni plus ni moins. T'as révisé ton match? Non, j'ai pas du tout révisé. Enfin, si, j'ai révisé, j'ai regardé Pays de Cassel, Paris-Saint-Germain. Ouais, il n'y aura pas de question là-dessus. Okay. Bon, je te laisse prendre place. J'ai l'impression qu'on est en live en plus sur l'Instagram de Elton Mokolo. Il nous fait vivre les coulisses. Elton, il est chaud. En plus, il a mis sa plus belle chemise. Donc, on a nos deux capitaines. Wiloo à gauche, Tidiani à droite. Vous allez composer maintenant vos équipes. Vous avez le choix. Je sais que Wiloo a une petite idée des personnes qu'il a envie de prendre. C'est tout simple, le premier joueur qui va commencer à faire son équipe, ça va se faire au Shifumi. Vous faites un petit Shifumi, celui qui gagne a le privilège de choisir son consultant en premier. Ça vous va? C'est en 1-7 ou en 3-7 gagnant? Un coup. 1-7 gagnant. Bon, Elton, vous avez fait le puits une fois. Le puits n'existe pas. Le puits n'existe pas. On se respecte ici quand même. On est d'accord. Vous êtes prêts? Puisque bon, la triche, elle commence là. Hein, elle commence là. Au Shifumi aussi. Hein. Vous êtes prêts? Toujours. Shifumi. Victoire de... Il commence à tricher. Tidiani, tu as remporté ce Shifumi. C'est toi qui décides. Est-ce que tu as une stratégie? J'ai une stratégie. Aïe, aïe, aïe. J'ai une stratégie. Alors, elle est finalement assez lisible, mais pour moi limpide. Vas-y. Mon premier choix sera, en toute logique, parce que je crois qu'on n'a pas encore joué ensemble, Elton Mokolo. Aïe, aïe, aïe. Il prend Elton Mokolo à Wiloo. Je suis obligé. Toute ma stratégie. Elton Mokolo qui arrive sur ce plateau. Ah ouais, toi tu rentres vraiment sur Insta. Ouais. Ah oui, d'accord, bonjour. Parce que voilà. Voilà, bonsoir. On est en émission, on est en direct. Elton Mokolo. Oui, bonsoir. Attends, toi tu vas vraiment garder le téléphone. Les gars, vous pouvez dire à Elton qu'il est chiant avec son téléphone? Ah non, mais non, mais non. Non, non, bah justement, parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable la dernière fois et de scandaleux, j'ai décidé de prendre des mesures. Ah. C'est-à-dire que... Tout le quiz sera sur Insta? Oui. Ah d'accord, oui, t'as de la batterie? Non, non. Non seulement je vais faire ça, mais je vais surtout mettre mon portable en face de ma table. C'est-à-dire comme ça, il n'y aura pas de tricherie. D'accord. Voilà. Okay. Exactement, ça va être la VAR. C'est la surveillance vidéo. C'est la surveillance vidéo. En même temps, formation maître chien. Exactement. Forcément, pour passer par... deux quiz, deux défaites. Toi qui es considéré comme le maître des quiz. C'est vrai. C'est vrai, de défaite, mais bon, la dernière fois, je pense que j'ai fait un grand quiz, mais malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Il y a eu des forces obscures qui ont fait en sorte qu'on a perdu. Mais t'as raté le premier aussi, il faut le dire. Ouais, le premier. Oui, voilà, voilà. Ouais, non, mais dis-le aussi, dis-le. Le premier, j'ai choc, j'ai été capitaine, et pourtant j'ai. T'es dans l'équipe de Tidiani, ça va? T'es content? Je suis très content d'être dans l'équipe de Tidiani, et d'ailleurs, je lui dis merci parce qu'il me fait confiance en me choisissant premier. Il voulait te sélectionner. Exactement, il m'avait dit. Il était sollicité, mais malheureusement, il n'avait qu'à gagner chez Fumi. Et tu vois, ça fait bien d'être numéro 1 draft, first pick. Contrairement à l'école où on était toujours choisi en dernier. Ouais. Allez, tu te mets là-bas. Allez, tu te tais. Wiloo. L'aile gauche, l'aile droite. Ta stratégie est tombée un peu à l'eau. Alors j'ai vu sur Twitter qu'on réclamait beaucoup l'association Wiloo Walid. Est-ce qu'elle va se... La fameuse... La W Connection. T'as le choix entre Walid et Najim. Effectivement, je... Parce que Sofiane ne compte pas dans les choix, évidemment. Et Sofiane ne compte pas. Je prendrais bien Sofiane, mais le retardataire que j'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, il va venir s'asseoir. Walid Acherchour, sélectionné dans l'équipe de Wiloo Football. Grosse pression face à ses deux amis. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Bonjour. Bonjour. Toujours habillé en crocodile, hein. Ouais. Bah, je suis crocodile Dundee. Bah, là, en plus, t'as la couleur de crocodile Dundee. Sponsor. Merci, Wiloo. Ah, tu rigoles. W. Là, il y a de l'abonné. Là, il y a du follower sur la table. Hein. W. Ah, là, il y a du like. Allez, parle-moi, parle-moi. Bonjour. Comment ça va, Walid? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Tu rentres dans ton quiz un peu? Je vais être obligé. Après, le problème, c'est que j'ai vite compris qu'on allait prendre Sofiane en troisième, donc... Donc voilà, match dur, mais on va essayer d'y aller avec Wiloo, avec toute la communauté, avec voilà, on va essayer de se serrer les coudes, quoi. Après, moi je serais titre, je prendrais Sofiane, parce que le quiz, je pense qu'il est pour Sofiane. Oh, d'accord, ok. Donc, après, si je peux conseiller Tidiani, je prendrais Sofiane. Pour être honnête, je pense pas qu'il va suivre tes conseils. Et pourquoi pas? Il a peut-être envie de rigoler aussi. Il a peut-être un peu de panache. On a bien compris que sur le dernier quiz, il n'avait pas envie de rigoler, mais plutôt de gagner. Jamais. Voilà, exactement. Juste pour revenir très rapidement sur ce qui s'est passé sur le. Je vais le faire. envie d'abord de le faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que le mot quiz est prononcé dans cette émission, que ce soit un jour de quiz ou pas, on est obligé à Walid de parler. Moins 2 points. Même ça, toujours poser des réserves, refaire. Non, mais c'est vraiment son quiz. Oui, c'est son quiz. C'est chez sa mère. D'accord. Tu vas rien dire. Bah là, je peux rien dire. D'accord. Je voulais juste dire que j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé la dernière fois. Moi aussi. Ce vol qui est encore une fois en mondiovision. J'ai reçu des messages pendant 3 semaines. Walid, voilà, on repart de l'avant. J'ai essayé. Je pense que c'est le bon moment pour reprendre cette victoire. Très bien. Merci beaucoup, Walid. Je te laisse t'asseoir à côté de la chaise. Hey, ça fait plaisir. En plus, j'ai dit à Sofiane ce matin, il y a un duel. Je veux voir un. Il y a une thématique de duel. Ouais. Je veux voir un Walid face à Sofiane. Ouais. Parce que c'est la thématique pour eux. D'accord. Okay. Est-ce que Tidiani va nous permettre de vivre ça? Les kebabs, c'est quoi la tu verras. Est-ce qu'il va nous permettre de vivre ça? Je sais pas. Tidiani, est-ce que tu vas prendre Sofiane pour un peu de panache? Est-ce que Sofiane va être pris pour la première fois, non pas en dernier, mais en avant-dernier? Ouais. C'est tout le suspense de ce show. Ouais, il n'y a pas beaucoup de suspense, je pense. Alors, je vais être tout à fait honnête, les amis. J'ai déjà été avec Sofiane. Et je sais que c'est un joueur bien plus valeureux que le portrait que vous en dressez. Donc, je vais prendre Najim. Mais je vais prendre Najim. Najim Medini, je te laisse t'asseoir directement, on a déjà perdu un peu de temps. Okay. Non, j'éconne bien. En fait, tu m'as piqué trop sard, donc j'ai un peu la boule. Je sais bien. Voilà, merci Najim. Merci beaucoup. Ouais, merci. À tout à l'heure. Ça va, t'es chaud? Non, oui, ça va. Super. Faut quand même rappeler quand même que j'ai 100% de victoire quand même. Un match, une victoire, c'est ça. Mais je suis content d'être dans l'équipe de Tidiani parce que Tidiani, ça reste quand même. L'équipe vainqueur, c'est un peu le Bernard Tapie des quiz. Oui, lui, c'est... Merci Najim, je te laisse t'asseoir à côté. Merci pour ce dérapage, Najim. Ouais, merci. On va vite... Oui, bonjour. Oui. On va vite passer à autre chose. Oui, Pablo, Sofiane. Je vais prendre Sofiane. Et donc, Wiloo, le choix est cornélien? Oui, mais c'est le choix que j'aurais fait. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Allez, Sofiane, ramène tes fesses. Ouais. C'est vraiment le dernier joueur. Ça va? Alors, par contre, une info que je vous ai pas donnée, qui va peut-être avoir toute son importance maintenant, c'est que Sofiane, il a révisé comme un ouf. Ah ouais. Il est arrivé à l'open space, il m'a dit 4 réponses. Je suis là depuis 6h30. Hein. 6h30 ce matin. C'est extraordinaire. Merci au petit de me lever. Il a révisé de fou. Hein? Il est affûté. Et je pense. Sur la révision de Sofiane, c'est quand même que. Toutes les 10 minutes, en fait, il oublie. Ouais, exactement. Ouais. C'est un poisson rouge. Hein, et je pense. Everton, merde. Putain. Et je pense qu'il est fait pour lui ce coup-ci. Ouais. Ça va? Oui, très bien. Ravi quand même une victoire. Bien sûr, j'ai une victoire d'ailleurs qui n'a pas été volée, contrairement à ce que dit Walid, mais on va pas épiloguer sur ça puisqu'on est désormais dans la même équipe. Ouais. Je suis très content parce que voilà, j'ai l'impression d'être le pays de Cassel face au PSG. Allez, on y croit, on en prend 7. Merci. Salut, salut, camarades, salut. Quiz, 10 questions, 10 divertissements, 10 cadeaux. Il y aura 2 cadeaux aujourd'hui. Le premier cadeau. Livre. Faire, les gars, il est très beau, ça va le faire. Et très bien. L'édition Solar, le livre de Pelé, écrit par Stéphane Cohen, et pas Jonathan Cohen, mais bien Stéphane Cohen, le livre de Pelé. Je vous l'offre, vous répondez à cette question, les amis. Qui est le sélectionneur du Brésil lors de la finale de la Coupe du Monde 70 remportée par Pelé? Vous jouez uniquement sur le chat Winamax, les amis, pour répondre. Et Lucas, notre modo, va s'occuper de tout ça. Voilà, le livre de Pelé, et à la mi-temps, on vous fera gagner un maillot de nos clubs partenaires. Voilà, salut à tous, les amis. Mouiz Salahou. Ad DKO, vous êtes dur avec Sofiane, c'est de défier. Quiz sont pas. C'est de défier. Ouais. Lille d'abord. Ouais, peut-être mieux lire la phrase en entier. Ces 2 derniers quiz sont pas dégueux. Ouais. Ah, c'est ça qui veut dire. Il manque quand même 2 lettres dans un mot de 4 lettres. T'inquiète pas. J'ai un fils, je sais ce que c'est de lire. Coach Blé, Méfi Giovanni, Djokovic, salut à tous les amis. Il y a déjà énormément de monde sur le chat YouTube, donc c'est merci vraiment d'être. Avec nous, je vous pose la première question de ce quiz. Ça sera d'ailleurs la seule question de ce quiz rapidement. Qui va s'imposer? Team Wiloo, Team Tidiani. Si on doit faire les cotes. Ouais, on est sur un 20, un 30. Non. Un 60. Hein? Un 60. Ah non, c'est du 1,25 là-bas. Non. Ils vont gagner. Ils essaient de rentrer dans nos livres. Ils vont gagner. Pour gagner le livre, vous répondez sur le chat. Ils ont Cédric Kanté en capitaine, là, au milieu de terrain. Là, à droite. Là, il y a Upamecano à la relance. Et là, il y a Ismaël Benasser à gauche. Je peux te dire sincèrement que c'est extraordinaire. Alors, les amis, vous mettez un maximum de likes. Évidemment, répondez à la question. Qui va s'imposer, Team Wiloo ou Team Tidiani? Merci de vos soutiens. Je vous salue tous, ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent en podcast. Je vais réexpliquer les règles pour notre ami Wiloo, vous les connaissez. Bien sûr. Et je ferai un petit point ferme et définitif sur ce qui va se passer. Après, le problème de ce point, mais il sera ferme. C'est que ça va être nous qui va. Oui, bah ça, peut-être. Malheureusement, les règles. Premier quiz, premier jeu. Ça va encore convenir à l'équivalent. Le James Milner, c'est une sorte de petit échauffement. 10 questions pour chaque équipe. Tout le monde peut répondre, mais la première bonne réponse est prise. Ok, Wiloo ? En gros, vous répondez, vous pouvez passer, donc j'y reviendrai. Si vous répondez et que c'est une mauvaise réponse, la question est annulée. Okay, 10 points à marquer, c'est bon pour vous. Ensuite, il y aura la passe cachée. Il faudra deviner des personnages, même peut-être pas personnages, qui ont marqué le mois de janvier, en termes de football, avec les noms. Donc vous avez un nom et en face, il vous pose des questions. Oui ou non, un time's up, pour être plus bref. Le face-à-face, ça sera des duels, donc 2 duels chacun. Ça sera le capitaine qui décide qui va à la guerre. Il y aura « N'oubliez pas les paroles », spécial foot et rap. C'est pour ça que je voulais un duel Sofiane Walid. Ah ouais. Un duel rap et foot. Ah ouais, c'est pas mal. Il y aura… On a peut-être… Il y aura… On a nos classiques de notre côté. Il y aura les… Classiques, ouais. Palip ou pas. Il y aura les… Il y aura… S'il vous plaît, je termine. Il y aura les chiffres et les lettres. Il y aura donc des lettres. J'ai marqué un seul but en Ligue 1. Donc un joueur de 9 lettres. On va remettre dans l'ordre. J'ai marqué un seul but en Ligue 1. D'accord. Il y aura une mort subite. Il y aura une compo à trous spéciale Coupe de France. Il y aura des CV. Des CV. Pas comme Henri, et un calcul de cote. Ça, c'est pour les duels. Ensuite, on aura la mi-temps, avec ce que ça comporte. Pas de folie. Ouais, comme par il n'y a pas de score inversé. Non, mais je vous le dis. Non, non, je vous le dis. Et ensuite, il y aura le Aura Football. 10 questions, tout le monde répond, autant de réponses que vous voulez. Et les tirs au but, avec 4 thématiques. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bon. T'as bien travaillé. Pas comme à chaque fois. Dépêche-toi parce qu'il y a son filet après. Ouais, c'est pour ça. Qui va s'imposer? Vous. Ouais, c'est plutôt Wiloo. Qui a la confiance de nos. La cote à 1,25. Les amis, évidemment, vous pouvez participer sur les chats pour vous mesurer. Joue la cote, les mecs. Et on démarre tout de suite par le James Milner. Top. On est bien. James Milner, on se concerte. Pour savoir qui va démarrer ce James Milner, un calcul de cote pour savoir qui commence. Ok. Je vous mets à l'écran, calcul de cote. Les amis, je remercie Arthur. Et, il y aura du calcul de cote aussi dans l'émission ? Il y aura des calculs de cote dans les duels. Vous avez une petite minute pour calculer. La cote de Naples, vainqueur de la Ligue des Champions, plus Messi, meilleur buteur de la Ligue des Champions, moins Manchester United, vainqueur de la Ligue Europa. Vous avez une petite minute pour répondre. Naples, vainqueur de la Ligue des Champions, plus Messi, meilleur buteur de la Ligue des Champions, moins Manchester United, vainqueur de la Ligue Europa. Je salue tous les Winami qui nous rejoignent. LV, ça sera en podcast évidemment sur Spotify et tout, et en replay sur YouTube. Les amis, on est avec Wiloo. Je vous remercie vraiment de votre soutien. On est presque 1000 sur le live. Bombardez un maximum de pouces. C'est un vrai kiff de faire ces quiz avec vous, les amis. Un vrai bonheur d'être avec vous. Top. Est-ce qu'on a un petit… C'est bon, les amis? Tidiani, tu as gagné le Shifumi. Je te laisse répondre en premier, s'il te plaît, Tidiani. Tid, excuse-moi. Bon, ça commence. Après, c'est lui qui dirige. Alors, Naples, vainqueur. Oui, en fait, allez, Tid, une réponse tout de suite. Bon. Bah, donnez votre… Non, t'as gagné le Shifumi. Okay. Donc, c'est toi qui réponds en premier. Je vais te dire… 15 entre Naples, vainqueur de la Ligue. Allez. On a pas… Ah oui, mais c'était une minute, C'est ça, oui. Allez, c'est pour l'an. Sinon, c'est 0. Sinon, c'est 0. Ils ont pas… 3, 2, 1… 15. Sofiane. 24. Je vous mets la réponse à l'écran. 29. Voilà. Oh. Victoire de Sofiane. Naples, vainqueur de la Ligue des Champions, 13. Messi, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 25. Manchester United, vainqueur de la Ligue Europa, à 9. Sofiane, Wiloo, vous avez remporté le tour. Donc vous choisissez la partie. Salve de questions 1 ou 2, peu importe. Il y en a une plus dure que l'autre. La une. C'est parti. Petite musique du quiz, musique classique du quiz, les amis en régie. Donc attends, juste je réexplique à Wiloo. Je vais réexpliquer, 10 questions. Vous prenez le chrono ? Ouais. 1 minute 30. 1 minute 30 pour répondre à 10 questions. Tout le monde peut répondre. La première réponse qui m'est adressée est validée. Si elle est mauvaise, tant pis. Vous pouvez passer. Vous pouvez vous concerter. Mais la première réponse, genre tu me regardes, tu me dis une réponse, je la prends. Okay. Si elle est bonne, 1 point. Si elle n'est pas bonne, 0. On a 1,30 pour 10 questions. Vous pouvez passer. et revenir après aux questions. Ils peuvent baisser. Donc on se parle doucement et après on dit. C'est bon, vous avez le chrono ? Il est là. Super. On est parti. Allez. Partie 1, 10 questions. 3, 2, 1, top. Quel est le nom du coach de Strasbourg ? Le Scorner. Le Scorner, bonne réponse. Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 ? Maja. Josh Maja. Quelle est la seule équipe des 4 grands championnats avec 0 victoire cette saison ? Cremonese. Cremonese, bonne réponse. Dans quel club anglais a joué Weghorst avant Manchester United ? Burnley. Ouais. Burnley, bonne réponse. Quel a été le premier buteur de la saison de l'OM ? Au premier match, c'est Reims. C'est Reims le premier match. Passe, on verra après. On passe. Dans quel club joue Vincenzo Griffo ? Fribourg. Dans quel club a été prêté Mitoma la saison dernière ? Alors là, on passe. Mbappé a joué son 300e match en club face à Rennes. Combien de matchs a-t-il joué avec Monaco à 5 près ? On passe. Zaïre Emery est devenu le plus jeune joueur du PSG à débuter dans un match de Ligue 1 à 16 ans et 313 jours. Qui détenait le record avant lui ? Au PSG. Zaïre Emery est devenu le plus jeune joueur du PSG à débuter. Sako, mauvaise réponse. Digard est le deuxième coach à avoir son équipe marqué 6 buts lors de son premier match de Ligue 1 sur un banc. Qui était le premier ? Il a fait son premier match en Ligue 1. Mitchell, bonne réponse. On revient sur la question de l'OM. Qui a été le premier buteur de la saison de l'OM ? Combien là de temps ? Je sais pas. C'est un but contre son camp. Deux. Woodface, bonne réponse. Jouer ça. Dans quel club a été prêté Mitoma la saison dernière ? Je sais pas. On passe. Mbappé a joué son 300e match en club face à Rennes. Combien de matchs a-t-il joué avec Monaco à 5 près ? 100, c'était 60. Zaïre Emery a été devenu le plus joueur du PSG à débuter dans un match de Ligue 1. C'était Adil Aouchiche. Ah putain. D'accord. T'as dit là où je suis. Walid, on est en direct. Excusez-moi. Et c'est pas grave, non, il passe, ça passe. Et Mitoma, tu l'avais ? C'était Union Saint-Gilloise. Oui, ça on l'a. Attention le chat, je sais pas si on peut le masquer. Non, mais ils peuvent pas, ils me regardent, c'est impossible. Il y a trop de décalage. Donc là on a un moment. Non. Tu l'as pas dit. Je te regarde s'il vous plaît. Et Mbappé c'était 60. Ouais, 60 matchs avec. Les deux points là. Et ben ça fait le Scornet, Maja, Cremonese, Burnley, c'était pas mal ça, Burnley. Bravo. C'est pas mal. Fribourg. Ah, on a fait un bon run. Hein. Mitchell. J'en aurais pas eu autant. Woodface. Le Scornet, Maja, Cremonese, Burnley, Fess. C'est 7 ou 8. Fribourg. Mitchell. Non. Si, 7. Il manque Aouchiche, 60 et Union Saint-Gilloise. Okay. Les gars, 7 seront certains. C'est bien les gars. La team, c'est pas mal 7. Hein. 7, je me demande si on a. Je crois que c'est le meilleur score de ce jeu. Je crois que c'est le meilleur score depuis le début. Ah, c'est le record ? Je crois. C'est vraiment le record. Ouais, je pense. T'as gagné 0 quiz, Elton. C'est vraiment le record. Allez, chrono sur l'annonce. Sofiane, t'as le chrono ? Oui, je vais mettre le chrono, excusez-moi. Donc on a dit 1 minute. Est-ce qu'on peut cacher le chat par contre ? On va masquer le chat. Mais non, non. Égalité. On peut masquer le chat. Juste pour les épreuves. T'as vu comment ça ? Ah ouais, d'accord. Ils ont pas regardé. On commence pas. Ils ont pas regardé. Il n'y en a pas un qui a regardé le chat. On était concentrés. On n'a pas regardé. Bravo, Walid. Donc en plus, c'est des questions sur lesquelles on peut revenir après. Donc le délai de carence, en fait, il n'existe rien. Mais concentration. 3, 2, 1, c'est parti. Quel a été le premier club de Romain Pitot, nouveau coach de Montpellier, dans sa carrière de joueur ? Vous l'avez ? Allez, tente. On passe. Qui est la lanterne rouge de Ligue 2 ? Wouah ! Qui est l'atteint le jaune de Ligue 2. Dans quel club joue Bino Gittens, qui a été à l'honneur très récemment ? Dortmund, bonne réponse. Qui est le meilleur buteur de Strasbourg cette saison ? Cameroun, non ? Diallo. Habib Diallo, bonne réponse. Quel est le meilleur passeur de Liga ? Attends. Et là, ça va un peu plus compliqué celle-là. Messi, meilleur buteur de Liga ? Non, meilleur passeur de Liga, j'ai dit. De Liga. J'ai dit de Liga. On a compris Liga. Allez, je vous la laisse. Moi aussi, j'ai compris. Meilleur passeur de Liga. Ok, je vous la laisse. Je vous rajoute 5 secondes. Meilleur passeur de Liga. Passe. Benzema a marqué son 400e but en carrière, en club, toutes compétitions confondues. Combien de buts a-t-il marqué à Lyon à 5 près ? Ils vont le faire le record. Ça, je te dis. Ils sont bien 40, on tombe 35. Ouais, là ils sont bien partis. 70. 66, bonne réponse. Oh. Quel est le dernier buteur de Naples-Juventus ? 5-1. Le dernier. Elmas, bonne réponse. Quel est le nom du coach de Wolfsburg ? Kovac. Bonne réponse. Quelle équipe possède la meilleure défense de Première Ligue ? Newcastle. Bonne réponse. Quel est le seul coach non européen de Première Ligue ? Non européen ? Top. Terminé. C'est Jesse Marsh. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Record, c'est quoi là? Ils ont fait on va calculer. Ouais, et alors, le premier club pro de Romain Pitot, c'était Lens. Okay. Ouais, bien joué. La lanterne rouge de Ligue 2, c'était Nîmes. Oh, on y a pensé. Les amis en régie, on peut mettre le score en bas? Oui, il faut le calculer déjà. Ah. Dortmund, 1 point. Diallo, 2 points. Le meilleur passeur de Liga, c'était Merino. Michael Merino. Je l'avais. Benzema, donc 3 points. Elmas, 4 points. Niko Kovac, 5 points. Et Newcastle, 6 points. Ça fait 6 points pour la team Tidiani, 7 points pour la team Wiloo. Le score, on l'a en bas? Bien joué. Donc ça fait 6. Je suis content de ce premier. Pour Wiloo. Et... Non, l'inverse, l'inverse. Non, là, c'est l'inverse, les gars. Allez en régie. Allez en régie, allez, hop, hop, hop. 7-0. On se réveille. 7-0, bravo. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà pour 7-6 pour Wiloo. 7-6 pour Wiloo. Voilà pour le premier quiz. On va faire la petite passe cachée, les amis. On va donner les petits noms. Allez, c'est parti, la passe cachée. Je suis très content. Bravo, les gars. Bravo Elton, bravo Elton, parce qu'ils étaient dans la machine de la vie. La passe cachée, on avait donc, vous avez 6 noms à deviner. Alors il y a des personnages, mais des fois c'est peut-être pas des personnages, vous verrez. Ah d'accord. Bref. On va voir le score, non? C'est pas possible. 7-6. Ok, mais on peut l'afficher. Il sera affiché comme ça, voilà. Okay. C'est bon? Ouais, super. 6-7. Qui a gagné le taux? C'est toi. Tu veux commencer à deviner ou tu veux faire deviner en premier? Il y en a combien? Il y en a 6, 3 chacun, comme d'habitude. Faut qu'on se dépêche. Tu laisses la main. Ouais, c'est eux. Vous commencez à deviner? Ouais. Ok. Donc c'est eux qui piochent. Wiloo, je laisse piocher un petit nom dans cette. Combien de temps? Une minute? Cache bien derrière parce qu'ils peuvent voir à travers. Une minute. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le score. C'est pour que je le dise. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Ouais, vous l'avez vu? Donc question par oui ou par non. Vous avez l'habitude. C'est 1 minute. Hein. Ouais. 1 minute pour deviner. Est-ce qu'on peut laisser le score, s'il vous plaît, en bas? Comme ça, ceux qui nous rejoignent savent combien il y a. Voilà, laisse le score à l'écran. Merci beaucoup. C'est 2 points par bonne réponse. En régie, 2 points par bonne réponse. Et on a 1 minute par oui ou non. 1 minute. Ouais. Je vous mets le petit... je m'occupe du chrono. OK, les amis? Donc, personnage de l'actu de janvier. Ou pas personnage. Enfin, voilà. Actu de janvier. Actu de janvier. Okay. 3, 2, 1, top. Est-ce que c'est un homme? Non. Non. Est-ce que c'est une femme? Oui. Est-ce qu'elle est arbitre? Non. Non. Est-ce qu'elle a un lien avec la Ligue 1? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est dans les instances? Ah, non. Non. Est-ce qu'elle est agent? T'as pris le chrono? Oui, j'ai le chrono. Est-ce qu'elle est dans les médias? Hein, pardon? Dans les médias, est-ce qu'elle est dans les médias? Non. Non. Enfin, dans les médias. Est-ce qu'elle travaille dans le sportif? Non. Oui. Oui. Est-ce qu'elle est pas journaliste? Non. Non. Elle travaille dans un club? Non. Non. Est-ce qu'elle est joueuse ou elle a été joueuse? Non. Wow. Wow. Est-ce qu'elle est médecin? Non. 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 Médecine. Médecine, non. Il reste 20 secondes. Wow. Elle a un lien avec la Ligue 1, vous m'avez dit? Oui. Posez des questions pour deviner. Posez des questions quand même. Ouais, mais là j'en ai plus. Est-ce qu'elle a moins de 30 ans? Non. Non. Est-ce qu'elle a moins de 40 ans? Non. Je sais pas son... Non. Non. Est-ce qu'elle est brune? 5, oui. 4, oui. 3, 2, 1. On l'a pas. Top. C'était Faiza Lamari. Ah oui. Il était joué, elle est dans l'actu. Parce qu'elle est dans le top 10 des 30. Elle est dans le top 10 des 30 qui font le football. Ouais. Il était dur celui-là. Ouais. Ah oui, et ils sont durs. Un club, pas de points pour la team Tidiani. Ah bah oui, hein. On peut baisser le retour, s'il vous plaît, ce serait génial. Comme ils font. Quand ils non, mais si, parce que moi, j'entends rien. J'entends pas ce qu'ils disent. Enfin bon, ouais, si elle est pas jaune, elle est quoi? Bah, elle est pas. Elle est maman, c'est Mbappé. T'as pris qu'un truc. En gros, ce qui s'est passé, elle a négocié avec Florentino Pérez. Elle a négocié avec Nasser Al-Khelaifi, mais elle est pas agent. C'est pas agent. Ouais, c'est pas agent. Elle est pas agent. Alors c'est quoi son titre? Bah, elle est maman. Ah oui, ça veut dire que la question que tu vas lui poser, c'est est-ce qu'elle est maman d'une joueuse? Avec ce que tu viens de piocher, te plains pas avec ce que tu viens de faire deviner. Je me plains pas, mais quand on pose la question, est-ce qu'elle est agent et qu'on répond non, je suis désolé. Permettez-moi, il y a un vide juridique. Elle n'a pas de licence. Allez, c'est quand même un. Réglementé. Ouais, elle n'a pas d'essence. Excusez-moi, il y a un vide juridique. De quoi? Il y a un vide juridique. Ah oui. Elle négocie avec Florentino Pérez. Elle négocie avec elle n'a pas la licence d'agent. Bah non, elle n'a pas de licence d'agent. Bah non, elle n'a pas de licence d'agent. Elle n'est pas agent. C'est flou. C'est flou. Non, c'est flou. On répond à une question. Elle est maman. Allez, j'ai le chrono. C'est beaucoup d'être maman. J'ai le chrono. C'est déjà extraordinaire d'être maman. Vous savez pourquoi? Tu dis quoi? Tu es en train de dire que c'est pas suffisant? 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est un humain? Non. Non. Est-ce que c'est une mascotte? Non. Non. Est-ce que c'est un stade? Non. Non. Est-ce que c'est un bâtiment? Non plus. Un ballon? Non. Est-ce que c'est une info? Non. Hein? Une info? Non. Non. Okay. Non. C'est en lien avec l'actu foot. C'est matériel? Oui. Oui. Est-ce que c'est un ballon? Non. Non. C'est un pays? Non. Non. Est-ce que c'est la VAR? Non. 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 Est-ce que c'est un club? Non. Non plus. Non. Non. Est-ce que c'est français? Oui. 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 Ça s'est passé en France? Non. Non. Un lien avec la Ligue 1? Non. Non. On peut le toucher? Oui. 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 Ok. Oui. Est-ce que c'est technique? Oui. Technique. Est-ce que c'est technologique? Oui. 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 C'est informatique. La goal line? Non. Non. Avec les médias? Lien avec les médias? Non. 10 secondes. Un lien avec l'arbitrage? Non. Non. Non, non. Une règle de jeu? Non. 3, 2, 1. Celui-là, franchement, les gars, il est très top. C'était une Twingo. Avec Gérard Piqué. Vous avez vu, là, avec Gérard Piqué. Oh là. Ah oui, ça a fait, ça a énormément parlé. Ça a fait énormément parler. Vraiment, c'est l'actu très récente. Il est très dur. Donc c'est ce genre. Je pense avec une minute de plus, il pouvait se rapprocher. Je pense. Allez, on avale le poisson. On va se concentrer. Là, ce qui se passe dans ce crâne. Je suis en train de me refaire toutes les questions. Je suis en train de me refaire toutes les questions pour voir si nous avait douillé, mais en fait non. Même est-ce que c'est français? Oui, c'est génial, c'est génial. Est-ce que c'est technique? C'est français, oui, c'est français. Voilà, c'est français. Allez. Français. Et les là. Ouais, ouais, non mais... 3, là c'est pas nous, Walid. 2, c'est pas nous. 1, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Oui. Est-ce que c'est un joueur? Non. Non. Est-ce que c'est un entraîneur? Non. Non. Est-ce que c'est un dirigeant? Oui. 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 Un président? Non. Non. Est-ce que c'est un homme d'instance? Non. Un directeur sportif? Oui. Oui. Ah. Luis Campos? Non. Non, ils ont perdu. Guy Solfi? Non, ils ont perdu. Ils ont droit à plusieurs. Monchi? Non. Non. Je regarde les commentaires. Est-ce que c'est un directeur sportif actuel? Il exerce dans un club? Non, 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 non. Non, il n'exerce pas dans un club. Enfin, Galliani? Non, non. Directeur sportif français? Non. Français. Italien? Européen. Italien. 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 Agnelli? Non. Paratici? Bonne réponse. Paratici de Tidiani M'Bo. Les mecs, ils sont écœurants. Mais t'es derrière Thomas, t'es allé loin sur la Twingo. Je voulais mettre une Casio au début. Je vais mettre une Casio. Paratici, bonne réponse. 2 points pour la team. Tidiani. Allez. C'est pour ça que j'ai dit non, pour moi il est sanctionné, mais... De quoi? Il exerce encore? Bah non. Ouais, il a été sanctionné. Il est sanctionné. C'est pas parce qu'il est à Tottenham quand même. Il est à Tottenham. Il est à Tottenham. Il est encore à Tottenham. Mais il est suspendu. Il peut pas exercer, il est suspendu par l'UEFA. En Italie, je crois. T'as vu Najim ou pas? Non. J'ai pas vu, c'est lequel? Oh là, on l'a vu. Il faut que je le voie aussi. Faut qu'on accepte. Faut qu'on soit cohérent. Aïe aïe aïe, c'est pas le plus simple là non plus. Va le chercher. Ça va, non, non, non. Mais dans l'actu, il est trouvable. Et dans l'actu, il est trouvable. 3, il est plus trouvable. 2, 1, c'est parti. C'est un humain? Tranquille. Oui. Un dirigeant? Non. Non. Un entraîneur? Non. En France? Oui. Est-ce que c'est un homme? Oui. Oui. Est-ce que c'est un joueur? Oui. C'est un joueur. Oui. Ok. Top 5 Ligue 1? Non. Non. Bas de tableau? Non. Milieu de tableau? Milieu de tableau. Non. C'est un joueur qui joue pas? Ligue 2, Ligue 2. Non. C'est un joueur de Ligue 1. C'est un joueur de Ligue 1 qui joue pas? Non. C'est un ancien joueur de Ligue 1. Oui. Oui. C'est un ancien joueur de Ligue 1? Oui. Il est encore en activité? Oui. 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 Il joue. Acherchour. Bonne réponse! Oh là là! C'est extraordinaire. Incroyable. C'est lui. C'est dit, c'est son quiz. Je te l'ai dit, Sofiane, je suis ton métrano. C'est lui. Je t'ai dit que t'allais ça être ton quiz. Ça va être ton quiz. Très bon choix, Wiloo. Très bon choix, Wiloo. Ça, c'est un bon capitaine. Je le prends, Wiloo. Je t'avais dit. Ça, c'est un bon capitaine. Il en reste 2. T'as vu le début de quiz? Nassim. C'est ça. C'est quoi la plus-value? On peut pas faire plus dans l'actu que Nassim Macron. Passe décisive lors du dernier match à 48 ans. 48 ans, Nassim Macron. Exceptionnel, Nassim Macron. Vous pouvez retrouver évidemment en interview dans le gros livre de la Ligue 2, toujours en vente, aux éditions Hugo Sport. Ah ouais, ouais. C'est lequel? C'est lequel? Tu peux me le montrer un peu en bas là? Non, non, non. Mais faut que je le voie. En fait, j'ai la flemme de me le faire. Déplace-toi, déplace-toi. On a la flemme de perdre des points. Ouais, merci. Ok. Allez, vous êtes bon? Allez. Voilà, bon courage. Merci pour tous vos messages. Il est chaud, Sofiane. Sofiane le GOAT. Comment il a trouvé MDR? Sofiane répond une fois et c'est terminé. C'est pas faux. Ouais. 3, 2, 1. C'est parti. Ouais. Est-ce que c'est un homme? Oui. Oui. Est-ce que c'est un joueur? Non. Non. Est-ce que c'est un entraîneur? Non. Non. Est-ce que c'est un dirigeant? Non. Est-ce que c'est une personnalité médiatique? Oui. Oui. Un journaliste? Oui. Oui. Un journaliste? Est-ce qu'il est sur TF1? Non. Non. Est-ce qu'il est sur Canal? Non. Est-ce qu'il travaille pour l'équipe? Pardon? Non. Les quoi, pardon? L'équipe? Non. Est-ce qu'il est sur Bein? Non. Est-ce qu'il est sur RMC Sport? Je crois. Non. Non. Est-ce qu'il est à la radio? Non. Est-ce qu'il est à la télé? Oui. Est-ce qu'il est sur Prime? Enfin, la télé. Non, pas sur Prime. Pas sur Prime. C'est pas facile quand vous demandez les médias. Moi, c'est un ancien joueur. Non, est-ce qu'on le voit actuellement apparaître à l'écran? Oui. Quand actuellement? Est-ce qu'on le voit en ce moment, quoi? Oui, oui. Walid Acherchour? Non. Non. C'est jamais. Non, mais je dirais pas ça. Est-ce qu'il a eu une carrière de joueur? 5. Non. Non. 4. Il est passé par Bing. 3. Non. 2. Christophe Josse. 1. Non. Perdu. C'était Elton Mokolo. Est-ce qu'on le voit actuellement? Bah ouais. Ouais, on le voit, ouais. Oui, on le voit. On va pas sur ce plan-là. Alors, bravo. Ah, mais il est dur, celui-là. Faudra un replay quand même sur les médias, parce que j'ai entendu des oui sur des médias où j'ai jamais. Bah, RMC, il a fait RMC. Il a fait RMC. Ah, c'est vrai. Il a fait des Twitch RMC. Il a fait Twitch RMC, moi, je suis désolé. Ah, bravo. T'as pas fait RMC? Hein? T'as fait quoi? T'as fait W? Bah si, tu l'as fait. T'as fait RMC. Donc le fait d'avoir mis une fois ou deux fois les pieds dans le média, on y est associé. Non, est-ce qu'il a fait juste pour savoir? Est-ce qu'il a travaillé à RMC? Allez. Mais tu te rends compte que tu sais même pas qui t'es. T'as même pas réussi à te trouver toi-même. C'est ouf. Dans l'actu, évidemment, du mois de janvier. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce que c'est un homme français? Oui. C'est un joueur? Oui. Actuel? Oui. Il joue en Ligue 1? Non. Il joue à l'étranger? Non. Il joue pas? Non. Et c'est pas actuel alors? C'est un ancien joueur? Non. Il est actuel, il joue pas? Moi je peux pas dire non. Je peux pas dire non. C'est un attaquant? Non. Oui. Si. Il est consultant? Ça pardon, attaquant. Il est consultant? Non. Est-ce qu'il a joué à l'OL? Ah? À l'OL? Non. Il est dirigeant? Oui. À l'OM, il a joué à l'OM. À l'OM, oui. Il a joué à l'OM? Ouais. Papin? Non. Il a dit joueur actuel. Il joue plus à l'OM. Ouais, mais non. Qui peine à trouver un contrat, quoi. Genre, il est dans le club off de l'OM. Thauvin, bonne réponse. Et Sofiane Zouaoui. Il a pas de club. Il a pas de club. Hein? Il a pas de club. Oui, d'accord, mais il joue quand même. Bah non, il joue pas, il a pas de club. Bah oui, il est passé, c'est qu'hier, les Tigresses ont annoncé là. Il y a pas eu de. Est-ce qu'il joue? Il est en activité, oui. Il a un club? Non. Ok. 2 points en plus pour la team Wiloo. 11 à 8, c'est la fin de ce passe caché. Le score, vous l'avez à l'écran. 11 pour Wiloo, 8 pour... Démarre bien squeeze, Wiloo. On garde ce cap, là. On garde ce cap. On reste concentré. Tid, capitaine, comment ça se passe? Vous êtes derrière pour le moment. Ouais, on est derrière, mais c'est pas gênant. Je préfère être le chasseur que le chassé. Ouais, comment ça? Ça me pose pas de soucis. Comment ça, utiliser les verbes? Les capitaines vont... On est à 60% de nos capacités. Et donc là, on va... Et puis, là, clairement, il faut qu'on monte en régie. Clairement. C'est Sofiane qui porte le lead. Comment douter de Sofiane? Ça va, Najim? Ouais, ça va. Le micro marche? Là, ça va. Sofiane, c'est le Haaland de Winamax. Comment douter de Sofiane? Physiquement ou... Merci, les amis. On est plus de 1200 sur la YouTube, donc c'est super. Merci beaucoup d'être avec nous sur Twitch et sur Winamax. En bombarder un maximum de likes. Déjà pour Wiloo, qui rejoint la bande Winamax. On est cool, on est content. Parce que sur les derniers coups, pour ce quiz, tu faisais des gros débuts. Et après, à suspense. Je pense qu'il va jouer à la fin encore. Et j'ai l'impression qu'il y a des thématiques à la fin qui vont convenir à tout le monde. Et il y aura une nouvelle règle dans les tirs au but que je vous dirai tout à l'heure. Non, mais qui va faire améliorer le piment de ce. Qui nous a coûté une défaite la dernière fois, j'imagine. Ouais. Et pour les tris, je serai intransigeant. Ouais. Allez. Faut qu'on passe. Allez. Les duels. Ouais. Allez. C'est parti. Allez. Vamos. Est-ce que vous avez des disciplines de prédilection? Les duels, les face-à-face avec la musique de suspense. Là, ça va être une autre musique. Musique un peu plus tendue. Le premier duel. N'oubliez pas les paroles, spécial, rap et foot. Tu vas? Ouais, je peux y aller. Il y a 3 chansons, enfin 3 parties de chansons. Alors pour le coup, il y a 3 ou 4 mots à trouver. C'est très peu, contrairement à d'habitude. D'accord. Je vous ai fait quelque chose d'un peu plus. Il faut quand même qu'il y ait des bonnes réponses un jour dans ce duel. Ouais, j'écoute pas les mots. Enfin, si tu veux, j'y vais. Je te préfère là, comme ça, moi, je vais aller sur autre chose. Je vous mets la musique masquée avec les trous. Le premier qui pense avoir la réponse dit son prénom et il me dit les 3 ou 4 mots qui manquent. Ok. Alors par contre, les autres se taisent. Si tu as tort, l'autre peut jouer. D'accord. Ok. Il n'y a pas de ah, c'était ça. Pour répondre, ça. Hein. Oui, par contre, tu lèves la main, tu réponds tout de suite. Ouais. T'attends pas. Tu fais pas une Tidiani dans le jardin. Exactement. Petite musique face à face. La musique un peu plus stressante. On va démarrer avec. Qui va du coup de ce côté? Personne n'est chaud. Incapable, moi. Ouais, bon, bah. Elton, oh purée, le choix stratégique horrible. Ouais, pas marrant, ok, prends tes. Il reste après les lettres, la mort subite, la compo, les CV. On peut en faire plusieurs. Il y en a deux chacun. Elton face à Walid. Allez. N'oubliez pas les. Face à Sofiane, pardon. Tu peux le faire, Elton. Elton face à Sofiane. Sofiane, il a 50 frappes génius. Attends. 3. Tous les paroles, il les a. Si tu trouves plus chaud sur une autre catégorie, on garde. Ça a été validé. J'ai encore des magouilles. Allez, on avance dans le quiz. J'y vais. Tidiani va. Non mais. On peut s'en dire. Mais bien sûr. Validé. J'y vais. Tidiani, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Tidiani face à Sofiane. C'est jamais limpide, c'est jamais limpide. Première chanson, on y va, vous dites votre prénom. C'est Dybala de Maes. Stop. Sofiane. Bébé m'attend pas cette noche, je suis pas là. Numéro 10 sur le rinté, Dybala. Dybala, je fais des passes, ballon de Peufra, Dybala. Ballon de Peufra, Dybala. 3, 2, 1, c'est perdu. Tid. Aussi long? Ah bah oui, tu dis ton prénom, il faut que tu aies les réponses tout de suite. Mais Tid, il l'a jamais celle-là. Si je l'ai, il l'a. Tu l'as pas? Non. Tu l'as pas? Non, passe-moi à autre chose. La réponse, Sofiane. Je l'ai, c'est 10h minuit. 10h minuit, Sofiane, ça déconne. Ouais. Alors franchement, là, c'est une catastrophe ce que tu fais. Ouais, mais je l'avais. Alors, il y a 3 chansons, celui qui marque le plus de points remporte ce duel. C'est pas grave, ça. Tu l'avais, Walid? Bah oui, on enlève. Ouais, bah, fallait y aller. Ah, mais je. Ah, je l'avais. Tu l'avais, Wiloo? Non, non. Le Maes, c'est pas trop ton truc? Certainement pas. Certainement pas. On enchaîne avec la prochaine prochain son, qui est Simple Constat 5 de REDK. Ouais. Pas qui c'est. Ah ouais, d'accord. Oh, je l'ai, purée. Pourquoi je le... Très mauvais. Franchement, j'ai absolument pas compris votre choix. Sans déconner. Walid Acherchour. Le choix est immonde. Tu bouffes du rap tous les jours. Ah oh, il y va pas. Tu défiles. Il y va pas. Non, non, mais il me fait penser à qui? Au meilleur tir. C'est bon, en fait, ils sont en train de jouer là. Là, c'est meilleur. Tu peux taire, ils sont en train de jouer. Sofiane, Tid. Après, on peut le deviner, hein. Celui-là, on peut le deviner. Le premier, je l'ai. Bah, oui. Najim, on parle pas. C'est des jeux de mots. C'est le deuxième que j'ai. On parle pas. Ouais, on parle pas. 5. Avec les lettres, là, tu regardes. 4. 3. 2. Ça, moi, vas-y, je tente. Il tente. Il a dit en premier. Alors, je ne connais ni les paroles, ni rien du tout. Il peut l'avoir, hein. On attend le retour du bon rap, un peu comme celui de Niang à l'OM. De Drogba à l'OM. Trop tard. Non. On a toujours dit la première réponse, Tidiani. Non. Non, on a toujours dit non. Non, malheureusement. On regarde la réponse. Et lui, non, il peut pas répondre. Je l'aurais pas eu. Il l'aurait pas eu. Quelle bonne. Il a été honnête, sympa, je l'aurais pas eu. C'est Drogba. Il n'y a que les buts de Niang et Mamadou. Tu l'aurais eu, Sofiane? Non. Amadou, je l'aurais jamais eu. Mais on l'écoute. Tout va se jouer. C'est moi qui lui donne. Il y a 2 jours, je l'écoute. Et oui, je lui pose la question, on se marque. Je dis, c'est quoi le son foot rap pour toi? Bah, RDK, bah voilà. J'avais Niang, mais pour le retour, j'hésitais. Tout va se jouer sur le dernier son. Et celui-là, je pense qu'on connaît tous. Sofiane. 3, 2, 1, c'est parti. Numéro 10 de Booba. Moi, top. Il a dit. Non, il le dit avant, Eh, ceux qui sont autour, vous taisez. Ok. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes que des numéros 10 dans ma team. Moins sage que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Bonne réponse de Sofiane. Pour les bisous, ah oui. Que des numéros 10 en bas. Sur le ring au bulldozer. Et ça fait 2 points. 13 à 8 pour la team. J'ai. Bon. Oh, c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est. Je suis dégoûté d'Ibala. Normal, Dybala, tu l'avais, mais c'est pas grave. 13 à 8 pour la team Wiloo. Deuxième duel, ce sont les lettres. J'ai marqué un seul but cette saison en Ligue 1. Un seul. Est-ce que tu 9 lettres, des noms des joueurs de 9 lettres à trouver. Un joueur de Ligue 1 qui a pris un but cette année. Vas-y, j'y vais. En fait, il va mettre. Najim pour la team Tidiani. C'est quoi les autres catégories qu'il reste à faire? Il reste une mort subite, une compo à trous, des CV, un calcul de but cette saison. En gros, tu vas avoir comme les chiffres des lettres. Des lettres dans le. Mort subite, je pense que je peux le faire aussi peut-être. Derrière CV. Vas-y, Sofiane, moi je vais sur le calcul de code. Allez. Donc Najim à droite. Moi je peux faire ça. Qui va à gauche? Non, si vous voulez. Qui va à gauche? Sofiane, il va. Encore? Ouais. Sofiane, pour ton dernier duel. Donc je fais ça? Sofiane face à Najim? Allez, let's go. Et je vais sur le. Allez, Sofiane à gauche. CV. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. C'est les lettres là et. Là, faut utiliser toutes les lettres. Toutes les lettres. Ok. T'es un joueur de 9 lettres. 3, 2, 1, c'est parti. Joueur de 9 lettres qui a marqué un seul but cette saison. Il peut ne plus être en Ligue 1. Ok. mais il a marqué un seul but cette saison. On cherche un joueur de 9 lettres. Vous pouvez participer à un seul. Reine Adélaïde, non? Ah non. Pardon? Il a dit, il a dit Reine Adélaïde. D'accord. Tu peux plus répondre. Ah, tu peux répondre. Ah, c'est qu'une question. Tant que Sofiane n'a pas répondu. Techniquement, c'est pas possible, Najim. Ah, ouais, la Reine Adélaïde, waouh! Valderrama. Najim, reste avec nous, reste avec nous. Vous pouvez continuer à jouer, évidemment. Il y a un temps quand même. Oui, évidemment. Allez, encore 20 secondes, Sofiane. Je te jure que tu vas l'avoir. Qui là? Qui là autour de la table? Moi je l'ai. En fait, toi, et les duels que tu vas voir, tu vas les perdre. Il l'a, il l'a. Sofiane, tu l'as, tu connais ta Ligue 1. Tu connais ta Ligue 1. Top. C'est fini, c'est fini. La réponse à l'écran, c'était Lorient. Il te dit, il est plus en Ligue 1. Il te dit, il est plus en Ligue 1. Il te le dit. C'est pas facile. C'est pas grave, c'est pas grave, Sofiane. C'est pas grave. Deuxième. T'as raison. On reste concentré. On reste concentré. Deuxième salve de l'aide, c'est parti. Il est important celui-là, Sofiane. J'ai marqué Virginius. Virginius, bonne réponse. C'est top, ça, ça c'est de Sofiane. Ah, il est bon, il est bon. Virginius. Ça, il fait un quiz, mon pauvre. Ça, c'est le Sofiane. Ça, c'est le Sofiane Prime. Virginius. Il faut absolument que tu répondes pour au moins faire match nul, Najim. Ah, ouais. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai marqué. Vilena. Pardon? Vilena. Non. Non. Non, non. Non, non. Quoi? Vilena n'existe pas. Trop tard, trop tard. Tu ne réponds plus, Sofiane. Najim. Ah, non, Vilena, c'est pas. On cherche un joueur qui a marqué un seul but. En... Attention, 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 attention aux paroles, s'il te plaît. C'est dit Najim important. Attends, ouais. Attends, attends. Thomas, sois concentré, s'il te plaît. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Il y a eu, il y a dit tranquille. Non, 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 je regarde. D'accord. Ok, ok. Je suis très attentif. Oh, ok, on est attentif. Très, très attentif. Je l'ai. On arrête de m'agresser. Tu peux récupérer derrière après? Non. Non, d'accord. 5. 4, il l'aura pas. 3, 2, 1, c'était mon ami Jim. Allez. Je suis débile. Est-ce qu'en régie, par contre, est-ce que tu t'envoies des trucs là? Oui. Le micro de Najim. Pas de points pour ce duel. Débile, putain. Troisième duel, une mort subite. Pourquoi pas de points sur ce duel? Il a répondu une fois, il n'a pas répondu. Ah, il a 0 points? Mais il a 0 points. Ah, pardon, 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 pardon. Pardon, pardon. 2 points pour ce vélo. Heureusement que je suis attentif. 2 points pour la team Wiloo. Ça fait combien le score, s'il vous plaît? 15 à 8, je crois. 15 à 8. Ouais, ouais. 15 à 8. Être chassé, c'est... Mort subite. Fais gaffe parce qu'au bout d'un moment, tu ne vas plus la prendre. Le gibier. Le gibier. Le chasseur et le chassé, on a les flingues, là, on a quelque chose. Oui, c'est encore très long. Là, il est arrivé. D'accord, ok. Parce que sortez les flingues. Wiloo, bien, ça se continue bien, là. Ouais, on est bien, là. Ça peut être tout. Mort subite. Les 20 plus gros transferts de Chelsea. C'est dans l'actu. Ouais. Les 20 plus gros transferts. Les gars, vous avez écouté le thème? Non. J'y vais. Les 20 plus gros transferts de l'histoire de Chelsea. Mort subite. Najim, l'expert Première Ligue. Expert Première Ligue. Wiloo, tu vas? Ouais, vas-y, vas-y. Les 20 plus gros transferts de l'histoire de Chelsea. On va tenter. Vous avez remporté le toast. Avec ceux qui sont déjà arrivés. Les 20 plus gros transferts de l'histoire de Chelsea, mis à jour aujourd'hui. Najim, à toi de commencer. Chacun votre tour. Moundrick. Pardon? Moundrick, ça marche pas. Moundrick, 70 millions, c'est bon. Havertz. Kai Havertz, 80 millions, c'est bon. Fofana. Fofana, 80,4 millions, c'est bon. C'est lui qui a la pression. Badiachil. Pardon? Badiachil. Badiachil, le 20e. Wow. 38 millions, bonne réponse. C'est combien Badiachil? 38 millions. On fixe la baseline. Ouais. On cherche les 20 plus gros transferts de l'histoire de Chelsea. Allez, Lukaku. Lukaku, premier, 113 millions, bonne réponse. Raheem Sterling. Raheem Sterling, bonne réponse, 56 millions. Werner. Werner, 53 millions, bonne réponse. Il y en a des récents. Hein. Oui, oui, oui. Bon, on les connaît tous. Hein. Ils sont tous récents, ouais. Presque. Presque. Allez, Wiloo. Ziyech. Ziyech. Non, je pense pas. Bonne réponse, 40 millions. Cucurella. Cucurella, 65 millions, bonne réponse. Il est affûté là-bas. Là, il est chaud là-bas. C'est chaque week-end. C'est pas grave, c'est pas grave. Kepa. Kepa, bonne réponse, bravo, 80 millions. Très bien, bravo, bravo. T'as pas besoin de parler fort. C'est fort, ouais, là, oui, là, c'est la force tranquille. Oh, ouais. La force tranquille. Najim ? Ouais, là, ça commence à couiner. On les laisse se concentrer s'il vous plaît. Regarde Tidiani. J'ai l'impression qu'on est déjà sur un petit virage de squeeze là. Ouais, non. Il le faut. Là on est à Monte Carlo là. Attends, je réfléchis au. Oui, mais il faut réfléchir vite. Il y a un temps, il y a un time arbitre. Il reste 5 secondes. 5 secondes Najim. 5, 4, 3, Crespo. Fernand Crespo, je crois que c'est pas bon. On a deux au moins qui doivent venir. Let's go. Non. Il faut une bonne réponse de Wiloo. C'est lui qui a commencé. Attends, on va se calmer. Il faut valider le quiz. Sinon, tu lui as dit non réponse. Non. Il m'a dit. Parce que ça peut continuer, donc taisez-vous à côté. Wiloo. Pour valider cette victoire et mettre 2 points supplémentaires dans la besace. J'en ai, mais j'essaye d'avoir un certain. Vas-y. Allez, 5 secondes. Bon, Pulisic. Pulisic est une excellente réponse. Victoire de Wiloo. Il restait Morata, Torres, Jorginho, Chilwell, Kovacic, Shevchenko, Bakayoko, Batshuayi et Didier Drogba. Didier Drogba, j'ai pensé, j'ai réfléchi avec Crespo. Tessien, il n'est pas dedans. 38 millions. 17 à 8, ça commence à faire lourd. 17 à 8, ça s'appelle quand même un... Allez. Djokovic 2000. Quatrième duel. C'est une compo à trous spéciale Coupe de France, la finale de la Coupe de France OM PSG en 2016. La compo de l'OM. Ok, j'y vais. Ouais, Walid, t'y vas? Passe à qui? Elton. Vous connaissez le principe, la compo va apparaître, vous me balancez les noms. Celui qui en met le plus, il y a 5 joueurs à trouver. S'il y en a un qui m'en dit 3, fin parce qu'il pourra, il a forcément gagné. Et si à la fin, il y en a un qui m'en dit 1 et l'autre 0, point quand même. Ok, d'accord. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Lazia, Nkoudou. Fletcher. Fletcher, bonne réponse. C'est moi ici. Un point. De chez Non. Isla. Rolando. Isla, bonne réponse. T'as dit quoi toi? Rolando. Mauvaise réponse. Encore une bonne réponse, Walid et Sagan. Silva. Non. C'est une victoire 4-2 du PSG. Ouais, je sais. Dénon. Finale de Coupe de France 2016. Il reste quoi là? On a trouvé Isla et Fletcher. Il reste donc. Non, il reste l'ailier gauche et les deux défenseurs. Tu les as, frère. Les deux défenseurs, le latéral droit, le défenseur central, plus le latéral gauche. Le latéral droit, Rekik, bonne réponse, défenseur central. 2-1. Il reste quoi là? Le latéral droit et l'ailier gauche. Mais le latéral droit, c'est pas Isla? Non, il joue à côté de l'Asviara à Isla dans ce match. D'accord, ok. Le latéral droit, Kassim Abdallah? Non. Il va pas rester longtemps dans le temps. Pour le moment, c'est Walid qui gagne ce duel. Bah non, j'en ai mis un aussi. Oui, mais il en a mis deux. Il a mis Fletcher et Isla. Purée, j'ai un doute. Allez. Vas-y. Au Campos. Non. 5. 4. Je les ai. Attends. 3. 2. 1. Je l'ai. Comment il s'appelle? Oh purée, le mec qui était à Newcastle, etc. Dis rien, tais-toi. C'est con quoi. De toute façon, c'est fini. Moi, je peux les donner. Comment il s'appelle le... C'est terminé. Manquillo. Voilà, c'est Manquillo. Je savais que c'était lui. Et Alessandrini? Non. Barada. Ah, Barada. On a gagné, non? Oui, on a gagné. Victoire de Walid. 2 points en plus pour la team Wiloo. Aïe, ça se passe mal ces duels pour la team Tidiani. 19 à 8. Je récupère mon... Attention parce qu'ils peuvent revenir sur les... Il reste encore énormément de points. Oui, on imagine que tout se jouera sur la France. Prochain duel, des CV. Ok, j'y vais. J'ai marqué lors d'un classico Real-Barça. D'accord. Le capitaine d'équipe en face, il prend des... Ah, moi, j'ai donné des responsabilités à des gens sur leurs compétences. Donc là, j'attends retour. J'ai marqué... Là, je me suis sacrifié sur cette séquence. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que moi qui fais des codes et le truc de n'oubliez pas les paroles, autant dire que c'était pour faire briller les copains. Les amis, on est un petit peu en retard. Okay. J'ai marqué lors d'un classico Real-Barça. Je vous fais le CV. Qui y va? C'est toi Wiloo qui va? Je vous donne les clubs dans le désordre. Voilà. Tout de suite. Ah, tu les donnes à l'oral? Oui, je les donne à l'oral. Okay. Je les donne à l'oral, c'est dans le désordre. Ok. J'ai marqué au moins un but. Je sais plus en mettre plusieurs, mais au moins un but dans un classico Barça-Real. Le premier. Tu les donnes dans le désordre, t'as dit? Les clubs? Ouais, ils sont dans le désordre. Salut les amis, c'est une raclée, la remontada, le chasseur ne voit plus la proie. Balancez les pouces, les amis. C'est le premier quiz où il y a autant d'écart. Merci les amis dans le chat. C'est parti. Merci les amis pour le soutien dans le chat. Allez, on est là. C'est Wiloo, c'est ici. Il le faut celui-là. Le premier, j'ai joué au Real Valladolid, au KAS Eupen en Belgique, à Barcelone, au Sporting, Grasshopper Zurich en Suisse. Sonny Anderson. Non. Jeffren. Jeffren, bonne réponse. Ah, bravo, bravo, bravo. Là, vous m'avez énervé. Allez. Bravo. Le premier, deuxième. Ah ouais. Balle de match. Regarde bien ça, screen. Ouais. Balle de duel. Allez. Balle de duel pour Elton. Il faut les 2 points. Il y en a 3. Il y en a 3. Il faut mettre au moins 2 points. Tu peux mettre les 2. Inter Milan. Ceux qui ont la pression. Le FC Saint-Gall. Séville. Le Club América. Le Real Madrid. Et Colo Colo. C'est dans le désordre. Donc il a marqué avec le Real Madrid, puisqu'il a joué uniquement au Real Madrid. D'accord. Pas au Barça. Et t'as dit quoi? Inter Milan, FC Saint-Gall, Séville, Club América, Real Madrid et Colo Colo. Il y a un de ces clubs qui donne un fort indice sur le joueur. Zamorano. Zamorano, bonne réponse. C'est bien. D'Elton Mokolo. J'ai pas mis tous les clubs au Chili parce que c'était pas facile. C'est pas facile. Sur 1h30 de jeu, il peut mettre un coup de 2 points pour Elton Mokolo. C'est pas facile, c'est pas facile. Il y a son prince qui me le donne, il y a Elton et Classico. Le troisième, c'était Simao. Vous allez vous faire deviner. Je n'étais pas sur les deux. C'est pas grave. Le dernier duel, c'est un calcul de cote, c'est du coup Walid. C'est moi, calcul de cote. Tidiani. Ouais. T'es sûr, Tid, là du. J'ai pas de choix. Ah d'accord. Le mec qui est capitaine. Ah oui, comme ça. Et bah calcul de cote, on y va, c'est le dernier duel. Les 3, 2, 1. Une. Il y en a un seul. Okay. C'est parti. Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1. Okay. Plus Lyon dans le top 5 de Ligue 1. Moins Angers qui se maintient. David, meilleur buteur du championnat. Plus Lyon dans le top 5. Moins Angers qui se maintient. C'est trop chaud, nous dit Apollon. Il y en a qui avaient, bravo à Marine qui avait Zamorano. Bravo à Kela70 qui avait Zamorano. C'est bien de l'écrire ça. Réponds pas en premier. Ouais. Il y a Liona Feldman qui nous dit est-ce que Najim est en vie? Oui, il est toujours là. Hein. Il aura peut-être un highlight. Peut-être. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Oh non, non. Oh, non, non, vraiment, j'allais sur YouTube, vraiment. Ouais. J'allais voir les commentaires YouTube sur ma vie. Allez, c'est bon? Attends, deux. En plus, non, mais pas 3, donner la réponse. 2, 1, c'est parti. Walid, tu mènes, c'est toi qui vas donner la première réponse. Je vais dire 26. 26, Tidiani? Ah mais le problème c'est que tu vois ça c'est pas grave. Non mais t'es devant, c'est normal. Oui mais c'est normal, c'est normal. J'ai donné la réponse vraiment. C'est normal. Je voulais donner. Mais en même temps c'est normal. Ok d'accord. Non mais normalement on doit te dire. Non. 26 et 30. La réponse à l'image. Je crois que c'est beau. Oui Walid. Let's go. Oui Walid. David meilleur buteur du championnat à 10. Bah oui, le troisième meilleur buteur. Lyon dans le top 5. Mbappé devant lui. À 8. Angers qui se maintient à 5. Et Lyon dans le top 5 à 8, je la prends jamais. À 13. 2 points de plus pour la team Wiloo. Est-ce qu'on peut regarder les scores s'il vous plaît? 21 à 10. 21 à 10. C'est cher sur celle-là. Chasseur, on a bien bossé. Merci pour le score en régie. Les flammes pour pouvoir enlever la musique. C'est la mi-temps les amis. Il y a les gourdes. Ouais. Bien joué les frérots. Bravo, bravo. La deuxième, ça peut pas. Alors, la mi-temps, déjà, on va vous faire un petit quiz cadeau pour vous. On vous fait gagner le maillot d'un de nos clubs partenaires. Vous répondez à cette question. Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire du Racing Club de Lens? Vous jouez sur le chat Winamax pour tenter de gagner un de nos maillots. Le modo prendra contact avec vous. Maillot de Troyes, de Strasbourg, de Reims, de Lille ou de Lens. Voilà. On vous fait plaisir. De Troyes aussi. Je l'ai dit en premier. D'accord. Voilà, vous répondez sur le chat Winamax. On peut remettre le chat si vous voulez en régie pour voir un petit peu les commentaires de nos Comment ils vont le chat amis. Hey on s'est laissé 21 à 10. Vous avez l'habitude. À la mi-temps, on se réhydrate un petit peu. Oui. Hein, on va boire un petit peu d'eau. Les petites gourdasses. Ah, d'habitude, je fais quoi? C'est celui qui a le plus de points qui va en premier ou c'est celui qui est mené qui va en premier? Après, il faut que tu sois quand même. Je me rappelle plus. Il y a pire que ça. Je pense que celui qui est mené doit être avantagé. Donc je vais donner l'avantage. À Tidiani, tu choisis la gourde. Il n'y a pas de folie. Ça, c'est bien une mentalité française. Il n'y a pas de dinguerie. On fait plaisir. Il y a un malus. C'est pour ça que la première ligue est de bonus. Il y a un petit malus. Il y a un petit malus et potentiellement 2 bonus. Ouais. Voilà. Ah ouais. Les codes, c'est en janvier. Ah oui, c'est pas tous les mois, c'est pas à un moment donné. Tu rates ta première mi-temps et puis on revient à l'égalité à un moment donné. Ce sera pas ça. À un moment donné, c'est pas Tinder surprise non plus. Celle-là. Extrême gauche. Celle-là. De l'autre côté. Extrême gauche, mélange. Je prends la mélange. On y va. Ah ouais, c'est une feuille quoi. Ouais. Bon, pas de bol, -1 pour la team Tidiani. Encore ça va. Hein. Ah, ouais. Le gibier s'éloigne. C'est quand même la seule où vous pouvez perdre des points. Bah, ouais. C'est quand même dommage. Ah, t'as pas pris ta petite coupe aussi. Il y a des jours. Tiens, tiens, ça va te faire du bien. Profites-en bien. La frappe. Non. Garde leur truc. Ah ouais, d'accord. Ça, il a du mal. Ah ouais, d'accord. Wiloo. Il y a des matchs. Les deux sont positifs. Ouais, potentiellement positifs. Allez, le centre. Celle-là. Ouais. Le centre. Bayrou. Besançon, il est où lui? Non, c'est plutôt extrême gauche. Extrême gauche, lui. Il est à la poste. Il est à -1, lui. Enfin, extrême gauche. Question bonus, les amis. On joue. Un point de bonus. Et la deuxième, c'était aussi une question bonus. On la prend. À un moment donné. C'est pas question bonus. C'est -1 s'ils répondent mal. En gros, non. Non. C'est question bonus, en fait. C'est bonus. C'est pas malus. Ce sont des questions hors foot. Non, on la prend parce qu'en fait, c'est comme Mbappé hier. Tu sais, quand tu rencontres une équipe de Coupe de France. Question hors foot. Qui est actuellement. On prend une réponse seulement. Une seule réponse. Qui est actuellement dernier du top 14. Ah, question hors foot, j'ai dit. Ah oui, d'accord. J'ai une petite idée. Qui est actuellement dernier du top 14. Ils sont autres. Non, je crois que cette année, ça va pas. La Vitata, je crois, cette année, on m'a dit la valeur de Wally, cette année, c'est pas top. Non. Qui est actuellement. C'est le coupé. On regarde pas le chat, Je peux. Non, toi, t'as autre chose en tête? 3, 2, 1, allez, une réponse. J'en sais rien. Moi, j'ai pas un truc Pau, Brive. Non, mais il me faut une réponse. Vas-y. Tente, Sofiane. Brive. Brive? Ouais. Ça tourne bien, Brive, cette année. C'est Perpignan qui est dernier. Ah, tu vois, c'est un club bon. J'allais dire La Rochelle. Perpignan, dès qu'il monte, il redescend. La Rochelle, il a dit. La Rochelle, oui, La Rochelle. Ouais, d'accord. Et la deuxième question, c'était qui a été éliminé par Tsitsipas lors du premier tour de l'Open d'Australie? Purée, c'est ouf, ça. C'est pas possible. Même ça, j'ai pas ça. Et c'est qui? C'était Quentin Alice. D'accord. Alors. C'est pas grave, Tidiani, tu es mené. Ouais. Tu sais ce que tu peux faire. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du WFC. Tu peux changer un des membres de ton équipe avec faire un remplacement. Elton fait plutôt mon quiz, Najim est plutôt en vrac. Est-ce que tu vas te séparer d'un de tes membres? Est-ce qu'il va faire un changement, l'entraîneur? Je pourrais. Tu pourrais. Parce que j'ai été déçu. De mes coéquipiers que j'avais choisis, mais je vais quand même garder mon équipe. Ah, c'est beau. Et moi, je vous dis, ne me mettez jamais capitaine parce que la Vitata, toute l'équipe, elle change. À 21-9, la vie de ma mère, il y a tout qui change. Non, laisse ta maman. Je vais faire confiance jusqu'au bout à mes trous, me dire que le quiz est certes très mal engagé, mais pas encore totalement. Alors, il y a une vraie épreuve qui arrive là. C'est l'Aura Football, c'est souvent l'épreuve de Tidiani ou Elton. Juste que ça va être le sursaut d'orgueil maintenant. Voilà, l'électro. L'Aura Football, c'est qu'en fait, il pose une. Allez, on y va. Aura Football. On en a la dernière demi-heure de ce quiz. C'est parti. Allez. Là, les gars, c'est au moins 7. Ça peut basculer là. On peut enlever le chat. On peut donner réponse. On va masquer le chat. 10 questions. Ouais. Autant de réponses que vous voulez. Peu importe. La première bonne réponse qui me vient à l'oreille. Maintenant, les gars. Ah, ouais. Allez, hein. On y va. Qu'est-ce qui a fait vraiment l'actu dans ce mois de janvier? Ouais. Il y a un truc qui a fait l'actu, non? Ouais, Noël Le Gret. Non. Ah, si, on va faire un quiz sur Noël Le Gret. Oui, d'accord. L'Open d'Australie? Oui, mais c'est pas du foot. Ouais. La réforme des retraites. Cristiano Ronaldo. Wow. Assigné à Al Nasser. Ouais. 10 questions sur Cristiano Ronaldo. Ah, j'ai cru que tu allais dire 10 questions sur Al Nasser. 10 questions sur Cristiano Ronaldo. Petite musique. Après, je connais tellement de Nasser que je pense que j'aurais pu trouver, moi. Classique. 10 questions. Nasser largué. De rapidité. Mon père s'appelle Nasser. Je le salue d'ailleurs. Ouais. C'est parti. allez. Avec quel coach Ronaldo a-t-il marqué le plus de buts? Mourinho. Allez. Contre quelle équipe marque-t-il son premier doublé en Ligue des Champions? Fenerbahçe. Roma. La Roma. Bien joué. Ouais. Quel est le joueur qui a le plus joué avec Ronaldo avec la sélection du Portugal? Pépé. Non. Moutinho, bonne réponse. Contre quelle équipe Ronaldo marque-t-il son seul quadruplé en Ligue des Champions? Roma. Non. Malmö. Allez. En Ligue des Champions. Juve Lyon, 8e de finale, retour de Ligue des Champions, score final 2-1. Qui ouvre le score dans ce match? Memphis. Sur penalty. Bien joué. 3-2. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but avec le Portugal? Grèce, à l'Euro 2004. Ronaldo remporte sa première PL en 2007. Il termine meilleur joueur du championnat. Et qui est le meilleur buteur? C'est Drogba. Allez. Ronaldo remporte son premier ballon d'or en 2008. Ouais. Messi est deuxième. Qui est troisième? Torres. Ouais. Contre quelle équipe marque-t-il? Ça va les gars? On vous dérange pas. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but en Coupe du Monde? Corée du Nord. Non. Iran. Corée du Nord, je suis pas sûr. Iran. L'Iran, bonne réponse. La pire défaite de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, c'est face à Dortmund Le 24 avril 2013, quadruplé de Lewandowski, qui est le gardien du Real Madrid. Diego Lopez. Diego Lopez, bonne réponse. Ah oui, c'est leur épreuve. On l'a dit, on va refaire un petit coup d'œil sur les scores. Mourinho, c'est là. La Roma, c'est là. Non, la Roma, c'est toi. Donc 1-1. On a Roma et Memphis. Donc, ils ont la Roma et Memphis. Voilà, et nous, on a le reste. Bon, bah 8 points pour la team Tidiani, 1 point pour la team Wiloo. 2 voilà, 2 points. Memphis et Roma. 23-17. Allez, les gars, c'est bien. Bon. Gros resserrement. C'est bien. Dans ce quiz, on va terminer ce quiz par la dernière épreuve. Les tirs au but. Celle-là, elle va être folle. C'est les tirs au but, les amis. C'est parti. Allez. On y va. Elton en mission remontada. En fait, c'est Elton vs Walid. Les autres sont spectateurs. Ah, sur celle-là, ouais. Et en 2010, il marque face à Corée du Nord. Oui, c'était son deuxième but. Il marque face à Corée du Nord parce qu'on dit c'est improbable la Corée du Nord. Si, si, il avait marqué même le ballon. Il lui roule sur le dos. Le 7-0, là. Mais t'as eu, le point. Tu vois, t'en veux en plus ou quoi? 23. La question bonus. 23 pour Wiloo, 17 pour Tidiani. Les tirs au but, Wiloo, il y a 4 thématiques. Il y a 5 tirs au but dans une séance, donc il y en a 2 dans l'équipe qui vont faire 2 tirs, un qui va faire un seul tir. Ok? Vous ne pouvez pas prendre 2 fois une question du même thème. Donc si vous prenez un thème, si vous tirez une deuxième fois, vous devez choisir un autre thème. Je vous mets les thèmes à l'écran. Il y a les thèmes foot et cinéma, Lloris et Mandanda qui ont pris leur retraite, les pelés du foot ou les invincibles d'Arsenal. Arsenal, leader de Première Ligue. On va préparer quelques questions sur les invincibles d'Arsenal. Même les invincibles d'Arsenal, je les prends. Donc en fait, chaque tireur qui va s'avancer va choisir une question dans un thème. Ok ? Ouais. Vous connaissez, par contre en face, ils peuvent arrêter le tir au but. En gros, je vais te poser la question. Ouais, tu as 5 secondes pour répondre. À partir de 5 secondes, le capitaine en face peut répondre. Okay. S'il répond avant toi après 5 secondes, il arrête ton tir au but et tu ne marques pas de points. Et on a le droit de se concerter. Vous pouvez vous concerter. Voilà. Mais il n'y a que le capitaine qui me donne la réponse. Okay. 2 points moi, j'y crois encore. Par tir au but marqué. Il y a combien moi, je sais qu'on peut la gagner. 5. Il y a 5 tirs au but pour chaque équipe. Ok. Musique, des tirs au but, s'il vous plaît, les copains. C'est quoi les pelés du foot en fait? Bah les pelés du foot. Ah les mecs qui s'appellent Pelé. Les mecs qui s'appellent Pelé. D'accord. Et qui ont joué au foot. Ok. Ok. Il y en a pas énorme, mais il y en a quand même suffisamment pour faire des questions. Ouais. Pelé dans l'actu, évidemment. Qui va tirer en premier? L'équipe qui est menée. Encore. L'équipe qui a gagné le toss, surtout. Qui a gagné le toss? C'est nous qui avons gagné le toss. Non, le Shifumi, c'est lui qui l'a gagné. Ah. Tidiani, qui va tirer en premier? On va tirer en premier. Tu tires en premier. Ouais. Qui y va? Est-ce qu'il y en a un qui se sent? Moi, je me sens pas. Je vais sur Najim, il est. Bah, il y a quand même un thème Arsenal, Najim. Il y en a un qui se sent. Je vais sur Lloris. Sinon, j'y vais. Lloris Mandanda, j'y vais. T'es chaud? Vas-y. Allez, Elton va sur. Elton. Heureusement qu'Elton est là. Lloris Mandanda. Ouais. Ok. Donc. On est contré au bout de 5 secondes. 5 secondes. Il n'y a que Wiloo qui peut me donner la réponse, mais vous pouvez l'aider. Oh, d'accord. Ok. Ethan, t'es prêt? Je suis prêt. Et nous, on peut pas l'aider. Non. Il va pas falloir se rater, hein, à droite, vous le savez. Bah oui, on est sans filet. C'est après sans filet. Ouais. Donc c'est Lloris Mandanda, tu m'as dit. Ouais. Première question. Je prends la première de ma liste. Hein. Comme ça, il n'y a pas de... Quel est le joueur de champ qui a le plus joué avec Steve Mandanda dans sa carrière? Tout près confondu. Quel est le joueur de champ qui a le plus joué avec Steve Mandanda? On s'en fout. Il a combien de secondes lui? Dans sa carrière. Vous pouvez répondre. Nous on peut répondre. Il a du temps. Et si on répond non, on répond faux? Bah il peut marquer. Je peux prendre mes responsabilités? Vas-y. Dimitri Payet. Dimitri Payet. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Nous on avait. Non, c'est bon, on s'en fout. Ah, qui? Valbuena. C'était Mathieu Valbuena. Ah bah bravo. Ouais. Bravo Sofiane. Bonne réponse. Allez. À gauche, ouais. Qui va tirer? Gunners. Wiloo. Avec les invincibles d'Arsenal. Faut qu'on arrête. Les invincibles d'Arsenal. Tu peux répondre au bon coup maintenant? 5 secondes. Je te conseille il faut qu'il snap tout de suite. Ouais. Allez. C'est bon Wiloo? Non, si tu réfléchis depuis. Ça peut déjà être une balle de break. Ouais. Là, si tu... Quel est le seul joueur camerounais de l'effectif d'Arsenal lors de la saison 2003-2004? Ouais, Lorraine. Ouais. C'est une bonne réponse. Yes. Gros, je savais que ça allait être ça la question. Avant qu'il pose la question, j'étais là. Putain, comment il s'appelle déjà? Lorraine. 2 points. Je savais que ça allait être. Pour Wiloo. Je sais pas parce que Lorraine, il le savait. 2 points pour toi. Bien joué, mon gros. Qui va tirer? Ça, c'est bon. Ça, ça nous aide. Ça nous remet bien. Tidiani, le capitaine, va prendre ses responsabilités. Le capitaine, deuxième tir. Le capitaine doit toujours tirer en premier. Foot et cinéma. Le meilleur. Elles sont incroyables, les questions foot et cinéma. Ouais, mais j'ai hâte de faire. J'ai hâte. Lloris Mandanda, les pelés du foot ou les invincibles d'Arsenal? Il y a 5 questions par thématique, du coup, une thématique peut se vider. Et bah, on va rester sur les invincibles d'Arsenal. Ok. En 5 secondes, on peut prendre. Au bout de 5 secondes. Au bout de 5 secondes. T'es prêt? Allez. Walid, c'est pour toi, ça. Hein. Ouais, t'inquiète. Les Wiloo. Tu dois l'avoir, hein. Ah bon? Arsenal, Manchester United. Ouais. Match retour. Ouais. 1 partout. Ouais. Le 28 mars 2004, il y a eu 0-0 dans la fameuse bataille d'Old Trafford avec Van Nistelrooy, etc. Match retour, ouais. Arsenal 1, Manchester 1. Qui marque pour Manchester United? Manchester United. 5, 4, 3, 2, 1. Giggs. Giggs. Ryan Giggs. Tidiani s'élance pour frapper son tir au but. Ça va au-dessus, ça, non? Ouais, ça passe très loin. Le buteur d'Arsenal. Oui, bah oui, c'était Henry. Ouais. C'était Louis Saha. Ouais, ah, ce qui avait marqué jamais eu pour Manchester. Vraiment, bravo. Bien en l'air, le tir, là. À gauche, qui va tirer? Moi, j'y vais. Avec Walid, ouais. Avec... les pelés du foot, Arsenal, Lloris Mandanda ou cinéma et foot? Foot et cinéma, et si c'est 3-0, je l'ai, sinon c'est pas... Okay. Sinon, je suis mort. Pour la première... Non, je peux changer? Ah non, est-ce que tu peux me les remettre? On peut les remettre. Les thématiques de ce quiz. Bah, mais Lloris et Mandanda, je laisserai football et cinéma. Lloris et Mandanda? Ouais. Okay. Il peut y aller qu'une fois, hein, sur les... Ouais, d'accord. Lloris et Mandanda, donc la première question, on va passer à la deuxième question. 5 septembre 2009, France-Roumanie. Ouais. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. Ouais. Lloris encaisse son premier but en équipe de France. C'est ce jour-là qu'il encaisse son premier but en équipe de France. Mais c'est un joueur de l'équipe de France qui marque contre son camp. Waouh. Qui? 5. Waouh, waouh, waouh. 2009. Wow. Pense à la charnière. On peut intervenir. On peut arrêter. SQD. Et le pénalty est arrêté. Du coup, ils ont un point? Non. Non. Ah, d'accord. C'est pour éviter qu'on réponde. Il n'y a jamais eu de point pour les pénaltys arrêtés, ça a été dit depuis le début. Non, non, mais pas de souci. Mauvaise réponse. À gauche, troisième tir. Et là, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ouais. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Bah, je vais y aller. Parce que je crois que s'il y a une erreur. J'ai une conviction. Mets-moi ta conviction là. Oh, je vais y aller. Non, 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 tu vas pas y aller, je vais y aller. Tu vas aller marquer ton pénalty. On va tenter. Ok. Najim? Ouais. Sur le foot et cinéma? Non, sur Arsenal. Arsenal. On y va. 5 secondes, on n'est pas bloqué. Contre quelle équipe? Il est pas en bonne forme. Thierry Henry marque un quadruplé cette saison. Contre Leeds, non? Contre Leeds, non. Je dirais Leeds. Je suis pas certain, mais je dirais Leeds. Non, c'est pas Leeds. Il y a quand même une course très précipitée là. Ouais, là, c'est... Ouais. Là, mais il la met en pleine lucarne. Ah, c'est Leeds. Bonne réponse. Il est un joueur de Najim Medini. Sur Arsenal, il est... Bravo Najim. Même quand il est mort, le mec... Excusez-moi, ouais, j'ai un truc à vous dire. Qui va à gauche? Qui va tirer à gauche? Sofiane? Ouais, foot et cinéma. Foot et cinéma? J'attends. Pour le plaisir du jeu. Excède tout sens. C'est bien. C'est fini? J'ai pas les calculs en tête, mais on va aller au bout. On va faire une petite panenka. Ah ouais. T'es prêt, Sofiane? Ouais. Allez, Sofiane. Qui joue le rôle de David Leandri dans le film Les Seigneurs? C'est le seul que j'ai pas vu. Qui joue le rôle de David Leandri dans le film Les Seigneurs? Vous pouvez essayer d'arrêter le coup. Non, il peut essayer de tirer et peut-être, avec un coup de chance, la mettre au fond. T'as des acteurs au moins? Ouais, j'ai. Ouais, voilà. Vas-y, on va en tenter une. Ouais. Gérard Darmon. Gérard Darmon? Non. Attends. Il peut refaire après derrière. Hein. Donc tu dis oui ou non. C'est pas bon. Ok. Sofiane, tout de suite, une réponse pas. Poulvord, pas du tout. Mais non. Gad Elmaleh? C'était le film avec Gad Elmaleh, Franck Dubosc, José Garcia. Et Franck Dubosc. Ouais, bah j'ai. Y a pas Poulvord? Le pose de. Ah, je sais pas. David Leandri. À gauche, il reste 2 pénaltys. Dans le chat, ils avaient? Oui, 2. Donc je crois qu'ils ont déjà perdu. Ouais. Ah oui, 6 points. Il y a 2 points, il y a 4 points à mettre. Vous voulez pas te le dire depuis tout à l'heure? Oui, je calcule très mal. Ouais. Les gars, on termine quand même ce quiz, il nous reste 10 minutes. Histoire d'essayer de combler un petit peu les brèches. Ouais. Les thématiques, on va aller sur les pelés du foot. Qui y va? Moi, attends, il nous en reste combien? 2. Vous avez tiré tous chacun une fois. Donc, bon, bah allez, on va aller sur les pelés. Je vais aller sur les pelés du foot. Ok, les pelés du foot. Ouais. Quel est le coach qui a le plus entraîné Johan Pelé dans sa carrière? Quel est le coach qui a le plus entraîné Johan Pelé y en a un. Ouais, on peut arrêter. Ouais. Est-ce que c'est celui... Vas-y, vas-y. Okay. Rudy Garcia. Rudy Garcia, bonne réponse. Ah, ouais. Ah mais il a eu 5 secondes. Ah oui, il a 5 secondes. Ah oui. Mans, Marseille. Ah oui, Le Mans. Surtout au Mans. Bah oui. Qui veut y aller là? J'y vais moi. Vas-y, sur quoi? Sur foot et cinéma. Foot et cinéma. Foot et cinéma. Quel est le nom du président du PSG dans 3-0? Putain. Colina? Corona? Présidence Pilsner. Ah d'accord, ok. Présidence Pilsner. Présidence Pilsner. Ça, j'avais celle-là. Présidence Pilsner. Il y avait aussi... Bon, je suis pas allé faire les autres questions. Qui tire son dernier tir au but à droite? Je vais tenter. Najim, sur quelle catégorie? Il reste encore Arsenal? Non, tu peux pas, t'as déjà fait. C'est une question par catégorie. C'est quoi déjà les autres thèmes? Foot et cinéma, Lloris Mandanda, les pelés du foot. Lloris Mandanda. Lloris Mandanda. Lloris perd en finale de la Coupe de la Ligue face à Nancy le 22 avril 2006. Avec Nice. Nice-Nancy. Score final 2-1. Ouverture du score de Zerka. Égalisation de Vairua. Qui marque le but de la victoire? Donc c'est un joueur de Nancy? Oui, parce que Nancy a gagné. Je vais tenter Croupi. Ouais, et les Croupi, j'allais dire. C'était Kim. Eh ben, Kim. Très bon joueur, Kim. Ouais, très bon joueur. Et à gauche, le dernier tir au but, qui y va? Vas-y, Wiloo. C'est le capitaine. Non, 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 moi je reste sur mon tir au but réussi. Ouais. Vas-y, j'y vais. Ouais, vas-y, Sofiane. J'y vais. Sur les pelés du foot. Ouais. Les pelés du foot. Aujourd'hui, sans club. Ouais. Quel était le dernier club de Graziano Pelé? Ouah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais je l'ai pas. Tu l'as pas, Sofiane? À droite. Le dernier club de Graziano Pelé. AZ. Non. Non. Non, non. C'était Parme. Okay. Parme, mais oui. C'était Parme. Victoire de la team Wiloo. Oui, bravo. Oui, on l'a eu. Mais c'était facile. On tirait des tirs au but. C'était déjà gagné. Réaction à Wiloo. Première réaction à Wiloo. Bien évidemment. Bah écoute, je pense que le chat avait raison finalement. Ouais. Oui, bah oui. Eh oui. On peut remercier le chat pour les cotes étaient très bien fixées. Ouais. Et bah, c'était cool quoi. Merci Wiloo. Est-ce qu'on peut faire un petit cri de guerre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Venez mon équipe, venez, 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 venez. On passe le chat. Le chat, j'espère que vous êtes à la maison. Viens, viens, viens ici Wiloo, viens ici, viens ici. Tout doucement, on le parle. Oh les, oh là là, mais qui ne s'est passé, on les a chicotés. Oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé, on les a chicotés. Oh les, oh là là. T'as perdu ton aimant aussi. Merci. Valide ton aimant s'il te plaît. Il est où? Là, il est là. Bravo Wiloo. Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans ce quiz. Devant dès le début et ça a fait cavalier seul. Eh oui. Bravo Sofiane. Ouais. Deuxième quiz Sofiane. 2 sur 3. Walid 2 sur 3. Et Wiloo 1 sur 1. 2 sur 3 quand il n'y a pas de vol. Je me tourne à droite Tidiani. Déception, forcément. Ouais, ouais, ouais. Ouais c'est le mot, c'est le mot. Je pense qu'on n'a pas évolué à notre niveau, clairement. Il est où le gibier, là? On a une stratégie qui, je pense, était la bonne. Mais après... Ouais. C'était laquelle, du coup, la stratégie? Je pense qu'au niveau individuel, voilà, on n'a pas été à notre niveau, tout simplement. Et le micro d'Elton est fermé, là? Parce qu'il parlait, etc., je sais pas, Wimbledon, Sampras... Elton, ça fait 3 record du monde... Elton, ça fait 3 quiz. Ouais. Ça fait 0 victoire. Ouais. C'est ouf, ça. Ouais, c'est ouf, ça, quand même. Il y a une explication à ça? Ça ressemble à la fin de carrière de Messi au Barça. Ah ouais. Hein, non, c'est dommage. Le meilleur, mais non. Ouais. Je pense que j'étais pas à mon meilleur niveau. Donc, je prends la responsabilité. Symboliquement, je me permets de lui donner quand même pour ce quiz. Ouais. Bravo, Sofiane. Extraordinaire, Sofiane. Bravo, Sofiane. Ouais, bravo, bravo. Bravo, il a frappé. Bravo. Elle est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'ai pas été à mon niveau. J'ai pas été à mon niveau. Facile, en plus. Vraiment. Ça arrive. Vraiment. Rendez-vous au mois de février? Rendez-vous au mois de février. Tu seras toujours là? Je serai toujours là. Et ça montre encore une chose, c'est que quand tu donnes le brassard de capitaine à certains, c'est quand même très très différent qu'être sur les côtés. Quand même. Najim, j'ai l'impression d'avoir vu un autre homme aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas senti de. Ouais, j'ai pas eu le. Allumez-moi son micro, putain, il marche pas depuis tout à l'heure. Les gens sur le chat. Il manquait cette flamme dans l'œil. D'habitude, t'as vu, je suis là. Non, après, moi personnellement, là, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Il faut que je me remette en. Il y a un problème extra-sportif qui. Il y a un petit problème extra-sportif. Ah d'accord, ok, me. Ah ok, d'accord. Donc voilà, j'espère. Moi personnellement, à cause du uniquement personnel. Je suis très heureux de la défaite de Najim puisqu'il m'a volé trop ça. Ah, donc voilà, ouais. Un chien. Ouais. Ça arrive, ça arrive. 1 sur 2. Merci à tous, les amis. Sofiane a été extraordinaire. Quoi? Sofiane a été extraordinaire. Ah, ça va. Vraiment. Vraiment, il était très fort. Wiloo très très fort aussi. C'est lui qui a fait la différence. Ah vraiment, vraiment. Hein? Ah non, toi, t'es l'arbitre. Mais non, mais c'était pour le quiz et tout, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ah, ok, super. Cool, ouais, merci Walid. C'était cool. Bien. Mais là, on parle des joueurs. Oui, évidemment. Voilà, mais Sofiane a été vraiment extraordinaire. Et quand il est à côté, j'ai l'impression de gens qui prennent un peu la tension d'avoir des gens qui marquent des points. Voilà, l'attention. Tu devrais refaire la première partie du quiz, Tidiani, sur les points marqués, peut-être. Ça te, quand tu rentres vers 16h après ton footing, tu te refais la première partie et tu vas voir. Je pense qu'on est sur du 1-1, je pense que tu marques à peu près autant de points. Je pense que tu serais surpris. Je pense que tu serais l'introduction. Les amis, on était plus nuls. Tu serais surpris. Wiloo reviendra-t-il? Oui. Wiloo, s'il a envie, il vient. On était plus de 1400 durant tout le quiz, les amis. Il y a seulement 279 likes. Bombardez-moi tous ces pouces avant de se quitter. Il nous reste 4 minutes. Je veux un maximum de likes pour Wiloo, pour Elton, peu cher. Pour la première défaite de Tidiani, pour la non-émission de Najim, qui sera quand même payée. Ah, ça, ouais, c'est vrai que c'est l'émission la plus grande. Ouais. Ah, lui, il est venu, il s'est assis, 200 balles. Waouh! Ah, je suis manager, j'ai là. Bon, on va pas tirer sur une. Oui, on va prendre l'ambulance, ouais. Il y a bien un événement qui a marqué de ce quiz, c'est Chelsea. C'est Chelsea. Ah, ouais, d'accord. Ah, donc c'est une critique. Oh là là! Elle est là, elle est peut-être là aussi, la défaite. Il n'a pas su faire Didier Deschamps. Oui, c'est dommage, parce que j'ai essayé d'avoir un discours quand même à la mi-temps, de dire qu'on n'avait pas été à notre niveau globalement et individuellement. Thomas, si je peux quand même vous laisser quelque chose, vu que j'ai pas beaucoup parlé pendant l'émission. Si je peux rajouter quelque chose, vu que j'ai pas beaucoup parlé pendant l'émission. Tidiani aurait pu m'échanger, il l'a pas fait. Je le garderai en tête. Tandis qu'Elton m'a tiré dessus, je le garderai en tête. Oui, mais si t'es capitaine, tu choisirais Elton. Ah non, non, non. Garde mes réflexes. Alors je peux dire un truc. Non, mais le choix tactique, est-ce qu'on peut revenir sur le choix tactique de Tidiani d'aller sur les. N'oubliez pas les paroles, mais sincèrement, j'ai pas vu de boulot tactique depuis Coréa avec Nancy en 2009. Non, non, non. Sache que tactiquement, c'était exactement ce qu'il fallait. Ah ouais, d'accord, on l'a bien vu. Je donnais à chacun de mes deux coéquipiers leur point fort. Ah, d'accord. Et moi, je me suis sacrifié parce que je pense qu'ils devaient nous porter. Ramener Stan Diop, bon, il est au Canada, ça va être un peu plus compliqué de le ramener, mais il est au. Les likes, les amis, les petits pouces bleus, on bombarde tous les pouces, 300, 400, 500 avant la fin de l'émission. Merci Wiloo. Un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Super bon moment avec une équipe de choc que j'admire. Les W, ça paye. Absolument. C'est très 3W. Sofiane, félicitations. Bravo à tout le monde, c'était un plaisir. Qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? J'ai dit que c'était ton quiz. Ah, mais on m'a trop disrespect. Ouais, bravo. Sofiane, on l'a sous-estimé deux. Attends, qu'est-ce qui est. Qui est ce monsieur là? Il y en a un qui veut parler. La sécurité, s'il vous plaît. T'as un micro, tu sais? Non, mais parce que je veux parler avec le tien. Dis-moi. Et Wiloo, tu veux pas venir sans filet parler tennis un peu? Oula, il me manque quelqu'un? Tennis. Tu connais le tennis? Non, pas du tout. Après, on parle, c'est du vrai sport ici. Allez, file, copain. Putain, la chemise, le. Ah ouais, c'est fort. Qu'est-ce que j'aimerais. Je sais pas ce qu'il a fait cette nuit, mais à mon avis, il a fait le même établissement nocturne qu'Elton, hein. Un espresso à la 14, s'il vous plaît. Merci Najim. Merci Tidiani. Merci Elton. Merci à toi. Merci à tous. Merci. T'as bien tenu ce quiz, tu vois, c'est bien. Ouais, là c'est carré. Ça se passe bien. Tu vois, etc. Tout se passe bien. Mais tu vois. Mais tu sais pourquoi? Parce que les gourdas, c'était trop gentil. Ça reviendra au prochain quiz. C'était de l'homéopathie. On n'aime pas ça. Après, t'as pris la pire des trois. Oui, enfin la pire des trois, c'est la pire à moins. Oui, la pire des trois. Heureusement qu'il y avait le quiz. La pire des gourdes, c'était quand même score inversé. Qui aurait pu être un bonus. Qui pouvait être un bonus en fonction de qui tu. Bah oui. Ça a été pour nous d'ailleurs. Merci les amis, le quiz évidemment reviendra au mois de février, avec qui je sais pas, mais on reviendra évidemment. Bisous tout le monde, à demain. Alors ça sera probablement un quiz classico au MPSG, vu que ça sera le mois du MPSG. Fort probablement que ça sera full au MPSG. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. Ciao les amis. Salut, à demain.